Mais oui, allez, c'est parti. Voilà, ils me font trop de choses en même temps. Bravo, leur... Bonjour tout le monde, c'est le bazar. On continue la phase de test, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà des trucs qui vont pas. Je suis en train de tester Streamlabs. Et ils me mettent un texte que je peux même pas valider. Ah si, il faut que j'agrandisse le bazar. Ah, c'est n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Oui, bah pendant la diffusion, au moins ça me permet d'avoir en plusieurs exemplaires le chat et puis ça m'évite de louper un truc, c'est pas plus mal. Mais bon, oh là là, le bazar. Et ça enregistre en même temps. Bon, c'est bien, comme ça je peux archiver et je pourrais vous diffuser sur YouTube le bazar. Les bazars. Alors j'espère que vous allez bien, on va faire pas mal de petits tests. Et on va faire des jeux nouveaux. T'as des minutes papillon. Putain. Je suis Et en on va train de faire. voir. Ouais, c'est bien. Je vois ma tronche. J'ai dit en 3D. Je vois ma tronche en direct. Oh, vous avez même le choix des résolutions, dis donc. C'est le grand luxe aujourd'hui. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, je me mets en petit, même si j'ai la chance d'avoir la fibre et un très haut débit, mais c'est pour maximiser le. Je rigole parce qu'en fait j'ai mes annonces, mes alertes sur mon écran et je suis en train de voir que j'ai lancé en même temps qu'Olive. Donc avec un peu de chance, je sais pas si Olive continuera au-delà de 13h. J'ai peur que non. Mais il faudra que je lui fasse un coucou. Olive, elle est adorable. Ça c'est dingue, on a commencé exactement en même temps. Ah c'est la folie. Bref, bon, mince. J'espère que je pourrai. Non, je diffuserai l'après-midi. J'espère que je pourrai lui faire un coucou et puis de qu'on se fasse un passage de relais. Ah, oh, bah mince alors. Aïe, 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 aïe. Faudrait qu'on travaille en tandem, Olivier et moi. Oh mon Dieu, elle est adorable. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion rêvée que je fasse le test. Comment je pourrais. Faire la promotion d'Olive qui tue. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Ouais, c'est cool. Ah, c'est bien. J'arrive à lui faire la pub. Ah là 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 là, c'est cool. Bon, bref. Du coup. bah, j'ai un test qui s'est pas fini d'ailleurs. Parce que j'ai bidouillé plein de trucs avant de prendre l'antenne. Du coup, c'est en désordre. D'ailleurs, je suis en catégorie rétro déclarée normalement. Bah, pour être sûr, je vais redéclencher ça. Voilà. Et non, je suis déclaré en rétro. Ouais. Je reverrai après s'il y a des trucs qui ne vont pas. Mon retour vidéo me dit que c'est correct. Si je regarde rapidement sur internet. Ouais, ça me choque pas. Bon, je reste en bavardage phase de test. Là déjà, je pourrais peut-être tester un clip. Les clips devraient fonctionner normalement, mais oh, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Là, je regarde par rapport à mon compte Twitter, ça peut faire l'objet d'une annonce tweet. Je rigole, je vois des trucs que j'ai pas encore lus sur Twitter, j'aurai ça plus tard évidemment. Mais attends, me concernant du coup, non, je crois que j'ai pas fait le lien. Oh, il y a ces trucs, c'est bizarre. Là, par exemple, la prise d'antenne ne s'est pas annoncée, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ah, que je revois des trucs, bon. Alors, qu'on puisse faire mémuse. Si
Si je fais pas d'ânerie et que je zappe bien. Là, est-ce que je revois le chat et je revois mon jeu. Vous, faut que je vous envoie le signal de mon jeu. Attendez. Oh là là. D'ailleurs, le jeu en question, je vais vous en parler. Je peux faire un test d'ailleurs d'animation si quelqu'un essaye de me suivre. Ça ferait ça. Et hop! Transition subtile. Est-ce que la détection du jeu... Capture du jeu. Pardon. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Pas sûr du tout. Ah bah tiens, là il me dit qu'il a fait un tweet, mais alors du coup il a fait un tweet de quoi? Comme quoi je suis à l'antenne ou comme quoi j'ai un clip? Ah mon Dieu, au moment de faire le test, ouais, il a fait une capture d'image et voilà, il dit que je suis à l'antenne. Bon. Au moins ça fonctionne, hein. À ce niveau-là, c'est bien, j'arrive à m'annoncer. Après, j'arrive pas à capturer le jeu en question, attends voir. Non, ça fonctionne pas. Waouh! Vive la technique! Vive la technique quand ça ne fonctionne pas, mon Dieu. Alors, je serais obligé de faire une capture d'écran. Je fais ça. Oh là là, c'est une catastrophe pour la résolution. Ah bah oui, mais forcément, je suis bête. Il faut pas que je fasse un truc qui soit transformé. Bah à mon avis, on va pas jouer à ce jeu-là. Je vais juste lancer bêtement pour. Je vais vous en parler en 2 minutes chrono parce que l'image est catastrophique. Ah, c'est dommage. En fait, il faudrait que je ruse pour capturer le signal et le redimensionner en temps réel. Bref, c'est à base de Wolfenstein 3D. C'est un jeu que j'aimerais soumettre à FunFan. Parce qu'en fait, le code de Wolfenstein 3D, qui est un vieux jeu des années 90 qui a bercé mon adolescence, a été publié en code source et il y a plein de fans qui ont fait plein de trucs. Il y en a même qui ont fait des variantes hein, avec totale violation de droits d'auteur, le truc n'a pas diffusé. Il y en a qui l'ont transformé en Mortal Kombat avec Sub-Zero, Scorpio et tous les personnages de patatage de Mortal Kombat. Mais c'est un truc rigolo à vivre. Vous pouvez toujours essayer en farfouillant sur internet. Et là, par contre, c'est une totale réadaptation de Wolfenstein 3D. Bon, on reconnaît des éléments d'origine comme la fontaine, enfin le puits là. Sinon, tout le reste a été remanié. Et vous incarnez un pirate qui est à la recherche d'un perroquet en or. Alors, même moi, je ne sais pas parce que je suis en cours en train de faire le jeu. D'ailleurs, on voit qu'il y a des bugs au niveau de l'interface. Oui, il y a le coucou qui dit qu'il est 10h. Ça y est, du coup, le coucou m'a complètement cassé dans mon élocution. Ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bref, vous incarnez un pirate qui est à la recherche d'un perroquet en or, d'où le nom du jeu, Golden Parrot. Mais je sais pas si c'est un véritable perroquet qui aurait un pelage doré, ou s'il s'agit d'une relique qui vaut très cher, mieux qu'un lingot en or, c'est-à-dire une statuette en or massif d'un perroquet, en fait. Voilà. Et c'est un jeu fait par un fan, enfin un fan, un passionné. Et je trouve ça vachement sympa. Moi j'aime beaucoup, je m'y amuse de temps en temps là. Et j'aimerais bien que FunFan le fasse sur sa chaîne. Je leur parlerai ultérieurement. Je vais d'abord finir le jeu pour voir s'il vaut vraiment le coup, s'il n'est pas trop dur. Après, en normal, il est assez particulier parce qu'il casse le rythme et la mécanique habituelle au Stein. Et il faut farfouiller plus que d'habitude. Mais je trouve bien fichu, c'est rigolo. Bon, bref, voilà, c'était pour vous montrer. C'est un massacre, on va passer sur autre chose. Hop là! On revient rapidement à ma tronche. Donc, à ce niveau-là, bah, c'était intéressant. Il faut vraiment que je fasse gaffe.
avec les résolutions, quand ça marche ou ça marche pas, là, enfin bref. Aïe aïe aïe, il faudra que je me fasse un mémo technique. C'est même pas ça que je voulais faire en plus. Oh là, je fais bêtise sur bêtise. Là, si je leur demande à faire un clip, est-ce que ça marche ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. Mais bon, tant pis. Alors, on va passer. C'était quoi la suite? Je me suis noté mon plan de travail. Ah, on peut se faire un petit Fallout Shelter, pépère. Fallout Shelter. Il est où mon Fallout Shelter? Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lancé que je l'ai même plus dans la liste. Oups. Ah, il est là. Minute papillon. Hop là. Hop là. Oui, oh. Oui, non. J'allais dire. Alors, si je fais plan A, que je dis que je veux capturer le jeu, si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Ah! J'ai fait des bêtises. Il est où le... Mince! Bah, je le vois pas dans la liste. Bah! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Comment on fait pour rafraîchir? Ah, d'accord, faut le provoquer comme ça, d'accord. Oula! Ouh! Oulala! Un petit problème de cadrage. Oh mon dieu! Oui, ça, là, normalement, je devrais bien voir. J'y viens normalement. Eh ben. Ça fait nul, je trouve, en bas l'énorme barre avec nombre de fidèles souhaités là. Et parce que c'est le fameux palier à la noix là de Twitch à 50 spectateurs. En plus, le truc est en énorme. Bon, bref. Je vais me déclarer sous Fallout Shelter. Alors, tac, tac, tac. Fallout. Mince. Fallout Shelter, normalement. Normalement, c'est pris en compte. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça marche. Merde! Oh là là! Ah, oh, soupir, que voulez-vous? Aïe, 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 aïe. Il y a des moments, il y a des moments, je me disais que ce serait pas mal d'avoir un retour, mais je l'ai pas. Ouais. Bon, moi j'ai le contrôle du chat, c'est le plus important, mais c'est vrai que j'ai pas le retour du signal vidéo. Pour me rassurer, il faudrait que je prenne ma tablette, il faudrait que j'y pense cet après-midi. Cet après-midi, je rediffuserai. Je ferai encore une autre test. Mais oh le bazar. Bref, je vais essayer de me concentrer un peu dans le jeu. Oh là là. Ah oui! Oh, ça fait 15 jours que j'ai pas joué, j'ai plein de trucs en... Voilà, j'ai la tenue, j'ai le flingue qui a été préparé dans l'atelier là, fallait 15 jours temps réel. Oh là là. Vendre les objets communs. Alors faut que j'apprenne mes réflexes, récolter tout le bazar. Ah. Attendez, voir, je vais essayer de m'installer un peu autrement. Pas que je fasse tomber mon matos. Bien, il y en a des trucs, ça y va. Ah, folie.
Oui, bah je vais faire une armure assistée de qualité. Hop, allez-y. Alors l'autre atelier, c'est les armes. Ouais, c'est vrai que j'ai des armes de destruction massive. Le Fat Man autoguidé, trop bien. Je dis oui. Ce sont des armes de qualité. Qu'est-ce que je voulais? Je ne sais plus. Alors, j'ai géré les ateliers, enfin, je gère les missions maintenant. Est-ce que j'en ai une qui m'attend? Je crois que oui. Je clique tellement avec frénésie, je crois que j'ai fait planter le jeu. Ah non! Ouf! Ça va. Waouh! Ah oui, il y en a que je peux envoyer faire des trucs. Oh! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, attendez voir. Oui, bah ils sont prêts, ils vont y aller. Allez hop. Hop là. Ce sont des chefs. Qu'ils y aillent. Mais non, mais il y a un incendie, mais non. Ah! Alarme! Voilà. C'est le bordel. C'est le bazar, c'est le bordel. D'ailleurs, je peux le lancer normalement. Je crois. Non, pas comme ça. Comme ça. Ça marche même pas, c'est pas grave. Ah non, je crois que c'est la seule où elle est textuelle aussi de commande. Et C'est officiel, voilà. c'est le boxon, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le Ah mon dieu. Oula! Ah oui non, c'est le robot. Le robot, tant pis, je le remplace si un jour il explose. S'il est trop endommagé, ça, j'en ai plein en réserve, on ne sait jamais. Mais oh là 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 là! Mais c'est le chaos dans mon abri là, ça va plus. La pauvre jeune femme, oui, elle est seule à son étage. Je sais pas s'il y a du monde qui pourrait l'aider. Hop. Alors, pendant que ça crame, je vais peut-être réfléchir à vérifier d'autres données. Oui, bah ça viendra tout seul les objectifs. Vu ce que c'est. Oh là 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 là, le bazar. Mais y'a quelqu'un ici ou pas? Ah non. D'accord. Bon, moi ils gèrent autant qu'ils peuvent. Hein. Y'a l'incendie forcément qui remonte. Oh là là. Alors, vous y arrivez ou pas? Mon les boxeurs. Enfin, du coup, j'ai un doute parce que j'ai tellement de monde maintenant dans l'abri. Je vais regarder, je vais faire l'appel, on va dire. Vérifier que j'ai pas de mort. Ça pourrait m'arriver. Ça pourrait m'arriver. Ça a l'air d'aller. Ah, elle est malheureuse, Lisa Page. Ça crame de partout, c'est n'importe quoi.
Oui, elle est pas heureuse en fitness. Hop, je vais la mettre là, j'espère qu'elle va être mieux. Ah bah oui, il n'y a personne dans l'entrepôt, donc ça peut cramer aisément. Oh le bazar. Mais il n'y a personne qui peut l'aider, lui. Aïe 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 aïe. Ce bazar. Oui, tant que j'y pense, avec Screams Lab, il n'est pas impossible que ça crache, hein, ma diffusion. J'ai remarqué, quand j'ai fait des tests, moi, hors antenne, d'enregistrement, localement, parfois, ça crache. J'appréhende Screams Lab parce que c'est une grosse machine à gaz, et sur mon ordi, parfois, ça me met en PLS et quick. Donc si je vois que ça crache, je relance. Normalement, je reste avec vous jusqu'à environ 13h. Et on se retrouvera, je le rappelle, dans l'après-midi, mais deuxième partie d'après-midi. Parce que je prends quand même un peu de temps pour moi, en ce dimanche. Hop là. Hop là. Voilà. Là, je referai bien un test de clip. Juste pour voir. Bon. Apparemment, c'est bon. Alors, l'émission. Il y a le gant est jeté et il y a eux qui vont. D'accord, ok. Bon, bah, on va faire la mission extérieure là. Je pense que ça devrait nous occuper une bonne demi-heure. Encore que, même pas sûr. Non, j'ai plutôt envie de dire petit immeuble. Donc en un quart d'heure, c'est largement fait. Bon, bah... On passera au troisième jeu que j'ai prévu pour ce matin. Oh, mon Dieu. Ouais, un quart d'heure, ça va se détendre. Donc ça, c'est la phase. C'est l'épreuve hebdomadaire... basé sur la culture de Fallout, la culture du jeu, donc c'est une grande saga, et je trouve que c'est vachement bien pensé. Je vais dire une grosse sonnerie, je vais dire la compagnie Talon, et en fait c'est pas du tout ça. J'ai lu à moitié la question, donc je ne peux que répondre à côté. Ah si, j'avais bien répondu. Ouf! De la thune sans violence. Ah, ou des écorcheurs. C'est l'ennemi le plus relevé du jeu. Y a pas pire. Eh bé. Ah, coup d'œil au chat, oui ça va, c'est peinard. Vous êtes des spectateurs passifs, ce que je vous reproche absolument pas. Vous venez comme vous le souhaitez, bien évidemment, vous interagissez avec moi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que je puisse vous faire partager un bon moment. Voyez, voyez. Moi, je vous fais profiter de mes heures de récréation, grand gamin que je suis. Ah, ça va être du dimanche matin, ça fait du bien. Et vous me voyez siroter de temps en temps mon café au lait. Ah là. Ouais, très moyen le matos réquisitionné là. Enfin bon, on peut pas être. Ça peut pas être Noël tous les jours. Ah ah, deuxième manche. Attention, question. Quelle organisation a créé les synthétiques? L'Institut, je crois.
Je crois que c'est l'institut qui a créé ouais, les synthétiques, les robots en fait, les automates, les... Ouais, c'est ça, bing bing bing, correct. Tranquille. Bah voilà! Thune facile! Oh ben, dis-vous. Oui, j'ai rien oublié. Enfin, j'ai toujours peur d'oublier un petit paquet qui brille, comme on voit là un peu à l'écran. Troisième manche tout de suite d'affilée. Waouh! Alors, quel monument animal Amine souhaitait-il restaurer? Il souhaitait lutter contre l'esclavage aux États-Unis, et c'est le mémorial Lincoln qu'il a restauré. Dont la statue qui s'est retrouvée malencontreusement décapitée. Et c'est vrai que c'est un beau moment dans le jeu. On le fait dans Fallout 3. Que j'ai eu plaisir à faire il y a déjà quelques années. Je clique. Voilà, je clique sur la marchandise. Ouais, même avec les persos, j'ai toujours peur d'oublier un élément dans le décor. La pièce est vide, ok, bon. Transition à la... Ah, il y a du peuple. Bon, les rats de cafards, alors là c'est l'inverse, ce sont les créatures les plus faibles du jeu. Donc voilà, j'ai envie de dire simple formalité, même celui qui a le crâne tête de mort qui est le boss. Hop là. Bon, bah je dois bien avouer que pour le moment je me promène. C'est tranquille, comme un dimanche matin. Aïe 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 aïe. Faire augmenter d'un niveau mon perso. Intéressant. Et en général, j'attends que sa barre de vie soit quasiment au minimum juste avant qu'il décède. Ça, c'est du matos intéressant. Parce que le changement de niveau supérieur, quand on clique dessus, ça vous offre le remplissage de la barre de vie gratos. Sans faire usage d'un Steam Pack. Dernière manche, dernière question. Oh, est-ce que je tenterai... Quel est le nom du Behemoth Super Mutant qui se cachait dans la mare du réfecteur de Boston? Oh, je retiens jamais. Swan, Goose, Héron, Rageur de Piaf. Je veux dire Goose, mais... cet épisode-là, je m'en souviens pas. Ouais, non, je me suis planté, c'est pas ça. C'est dommage. Ah, c'est dommage, j'aurais pu prétendre au sans faute. Mais le coup du nom du super monstre, là, je m'en souviens pas. Le pire, c'est qu'on m'a déjà posé la question, mais... je retiens pas, ça m'a pas marqué. Ah, correct. Bon voilà, quick. Allez-y, Bouillex. Voilà, donc j'ai fini. Bah oui, là. Oh, un animal de compagnie. Tiens, il faudra que, avant de quitter le jeu, il faudra que j'ouvre une boîte. Une boîte surprise. Bon, bah ouais, les tâches du dessus, ça va être au pif. Ça va être au pif au maître. Alors une fois que j'aurai fait la mission là et qu'on fait la petite boîte, je pense que je quitte le jeu pour 10h30, c'est-à-dire dans 10 minutes là. Après je ferai... Normalement je suis censé jouer, faire un test sur Deuxième Siège, jeu auquel je joue avec Edge en ce moment en privé. Je sens que plus je vais reprendre la partie parce qu'en fait j'ai un niveau inférieur au sien. Donc au moins ça me permet de faire des tests, de me détendre et de me maintenir à niveau dans mon perso. Et ce sera 100% relaxation. D'ailleurs, il faudra que je relise ma fiche. Parce que je me suis grigouillé pour les tests. Ouais. Il faudra que je fasse des... Oula. Attention, faut que je gère mon équipe. Là, ils sont mourants.
Il est où le troisième? Ah, il est là. Oui, je bidouillerai encore différents trucs après. Yep. Un peu de matos. Quand le perso qui se déplace, j'ai failli le louper au moins de cliquer dessus. C'est fourbe ça. C'est traître comme animation. Oh, c'est dingue. C'est vachement plus relevé dans la partie supérieure alors que j'ai fini la quête principale que le chemin parcouru à la quête principale. Je prendrais ça comme une prime de risque. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les rats de cafard, ils s'attrapent. Profitez pour moi. Hop là. Mmh. C'est sympatoche. Oui, c'est le dernier étage. Oula, c'est quoi? Encore les rats de... Oh! Mince! Oh, je suis au mauvais moment. Oula. Oui, non, là, ça va. Mais lui, il est très légèrement irradié. Il y a ça, il y a ça. Ah, sympa ça. Ce sont des objets rares, ça permet de concevoir des objets de qualité en atelier. Ça y va, hein. Le rythme est soutenu. Waouh, le pire ennemi du jeu pour finir la mission. Oups. Mais non. Oh, le bug du jeu, je peux même pas cliquer sur le perso, quoi. Ça, c'est horrible. J'ai déjà perdu des persos comme ça à cause d'un bug de hitbox, comme on dit techniquement dans le jargon. Et mon clic a pas. Ma demande n'a pas été prise en compte. Attends. Perte idiote du perso. Et ça, c'est rageant. Lorsque vous perdez à cause d'un bug, il n'y a pas pire. Bon, bah voilà, mission accomplie. Hein. J'ai nettoyé le bâtiment, il n'y a plus rien. Donc je peux lever le camp, on va retourner à l'abri principal. On va ouvrir une boîte et puis on va passer sur le deuxième siège après. Et salutations et bonjour à tous ceux qui sont devant leur écran et qui regardent la chaîne. C'est la relax du dimanche matin.
Allez, une petite boîte. Pouk. Qu'est-ce qu'on a? On a du miam. On a des sous. Ah, une tenue de mercenaire. Ah, microscope, sympa. Oh, Paul Owen, un nouveau résident. Wow. Hein, Dieu. Alors ça, c'est original. En plus, oui, ça remplit l'objectif de récolte de tenue. Le v'là, le fameux Paul Owen. Eh ben... du coup, je sais même pas où le mettre. Attends, là, apparemment, j'ai que... Que 5 ouvriers, je vais le mettre lui en 6ème. Je vais lui donner une arme, parce que... Oui, bah, faut tout boucher. Non, ah, j'ai plus d'animaux. Ah oui, tiens. Voilà, Tipan remarque qu'elle est bonne. Est-ce que... Mais non, pas ça. Est-ce que j'ai des animaux ou pas? Non, j'ai pas. Non, par contre, quand l'équipe va revenir avec la attaque d'écorcheur, eh ben, on va faire un final spécial écorcheur. Eh ben, le niveau est relevé. Alors, concentration. Ah, cette fois j'ai perdu un perso. Ah bah voilà. Ça c'est le problème de la superposition des persos en trop. En trop à l'écran. On clique sur celui qui est au premier plan au hasard et pas le reste. Waouh, mais c'est le bazar. Mais c'est la panique à bord. Bah tu parles, il est mort, bah oui forcément. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors là c'est complètement bugué. Je clique dessus, je lui dis soin, soin, soin. Il m'envoie bouler. C'est un carnage là. Oh là, j'ai plein de morts du coup. Alors j'ai lui. J'ai lui à l'accueil, enfin à l'accueil à l'entrée. Et j'ai mon pauvre animateur radio là qui se prend pour un roi qui est quick. C'est vraiment n'importe quoi. Bon. Voilà. Donc au niveau des ordres de mission, ceux qui sont en extérieur, lui 20h, ils reviennent dans 3h. Oui bon voilà, c'est pas plus mal. Peut-être que je reprendrai un petit peu cet après-midi, on verra, aucune certitude. Bon hop, voilà ce qu'il en était de Fallout Shelter. Donc moi je vais rebasculer en papotage. Je sais même plus comment je fais. J'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Je sais même plus comment j'ai programmé mon truc papotage. Je reviens dans le bon plan. J'ai tout de suite déclaré que je vais mettre... mince, comment il s'appelle? Dozen Siege. Dozen Siege, premier du nom. Dis-moi que ça marche. Non. Je me suis planté. Ouais. J'ai pas l'impression que ça marche. De toute façon, le précédent c'était quoi? J'avais Fallout Shelter. Bah, au pire, si elle reconnaît pas de zone siège, je vais mettre rétro. Au moins comme ça, ce sera réglé. Mais je suis pas sûr qu'ils prennent en considération mes changements de catégorie. Ça me fait un peu flipper. Bon, bref. Alors, attendez voir. Du coup, parce que j'ai une cuisine à mettre en route derrière. Je vais quand même mettre en place le fameux
ou Game Ranger qui me permet de me joindre à NG Club qu'on joue ensemble. Je vais faire d'ailleurs si après si FunFan, le FunFan aussi d'ailleurs. Si Edge veut me rejoindre et pourra, il connaît le mot de passe. Que je réfléchisse. Oui, héberger un jeu. Clac, clac, clac. Ouais, c'est ça. Ah mince, il me laisse pas. Oui. Hop là, énormément. Waouh! On est mille papillons. Ah oui, la capture d'écran, ça va être chaud aussi. Je suis en train de me dire, je vais peut-être pas pouvoir vous le diffuser. Attendez, vous êtes d'où l'intérêt d'une phase de test en fait. Minute papillon, que je fasse le paramétrage de tout le bazar. Ah, je serai niveau 6, ok, c'est intéressant. On va voir. Ah ouais, les résolutions changent rien qu'en passant d'un menu à l'autre. Alors j'espère que pour vous, je suis toujours en direct et que vous arrivez à me voir. La question est... Si je fais ça... Waouh, ça fait complètement éclater mon... J'arriverai, à mon avis, j'arriverai même pas à savoir si vous avez un retour valable. Le truc affolant. Ah si, j'arrive à avoir un retour de... Ah mince, en fait vous avez un monstrueux bandeau noir sur la... sur votre droite. Ah oui, puisque c'est un jeu au format 4/16 alors que j'ai mis en 16/9. Oui, c'est dommage ça. Comment je pourrais faire? Il faudrait que je fasse une capture. Alors si la capture de jeu pour fonctionner, attendez voir. Pouah, le bazar. Attendez voir. Oh là 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 là, dur, 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 dur. Capture de jeu. Mais c'est pas forcément du... Oui. J'allais dire... Non, pas ça. Je suis en train de me planter. Faudrait que je mette un truc en fond en disant « Veuillez patienter » ou « Indiquer les commandes du chat que vous pouvez faire. » Ce serait bien. Ce serait bien. Mais pourquoi je vois même pas mon... Oh là 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 là, je suis tristesse. Hmm? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un robot qui... Oui, bonjour cousin, j'espère que tu vas bien. Bonjour Romanus Caiutus. Je suis en train de faire des tests et il faut faire des tests. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Dans ce que j'ai prévu aujourd'hui, là, je suis en train de voir, c'est catastrophe. En plus, au niveau du chat, ça bouge. Apparemment, j'ai un robot qui m'envoie de la pub qui s'est fait quick. Mais il s'est fait punir. Il s'est fait, pour pub interdite, il s'est fait bannir une heure. Ah là là. Froidement. Ah, tu te les gèles? Mince. Alors moi, ça va bien, merci. Mais... Alors ne me dis pas que ton week-end démarre mal. T'as besoin de repos par rapport à tout ce que tu fais en semaine. Ah là là, comme on dit, tu chômes pas. Donc du coup, j'étais en train de me dire, je vais essayer de capturer le... Alors mine papillon, je rebascule dans l'autre plan. J'essaye de capturer le jeu. Mais ça a pas l'air de vouloir...
Ah, là il veut bien. Est-ce que ça marche quand je zappe le bazar? Oui, non, non, oui. Si je fais ça, est-ce que vous voyez le jeu? J'ai pas l'impression. Non, vous avez le fond gris. Alors que normalement, vous devriez avoir encadré mon jeu. C'est pas normal. Ok, j'ai un pépin technique là. Ah mince. Ah mince, mince, mince. Ça remine complètement ce que j'avais prévu de faire en plus. Ah, je penserais que ce serait diffusable, mais c'est pas du tout le cas en fait. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le souci avec les vieux jeux. Il va falloir que je trouve une ruse, une autre manière techniquement à mettre en place quelque chose pour que j'ai moins de soucis. Alors, peut-être que je repense mes branchements et la technique. Oui, on est d'accord, capturer une fenêtre spécifique. Ouais. Fenêtre de zone siège. Oh Marc, j'ai pas regardé les options dans la capture. Non, pas du tout. Oh là là, il me propose un jeu de sur plusieurs cartes graphiques. Autoriser la transparence, limiter la fréquence d'image à la capture. Capturer les surcouches tierces comme Steam. Éventuellement, oui. Je sais pas si. Sinon, je reste sur les paramètres recommandés. Hein. Je vais pas flinguer le. Alors, qu'est-ce que tu me dis, cher cousin? Bah, Roman qui dit je joue pas, je teste, j'essaye de jouer, ma pauvre Roman. Bonjour Roman, bisous. Mais j'ai des soucis techniques. Il y a du travail en coulisses. Alors le pire c'est que j'ai bien sélectionné le jeu, mais il veut pas apparaître à l'écran. Si je rebascule en mode plein écran avec le jeu sur mon écran principal, vous avez pas le signal. Et ce qui est bizarre c'est qu'en retour, moi j'ai mon cadre, là où devrait apparaître pour vous le jeu. J'ai le cadre qui clignote un petit coup par toutes les deux secondes. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de rafraîchissement. Donc je ne peux pas diffuser en l'état actuel de zone siège. Ah, oh, c'est pas cool. Moi qui pensais faire une bonne partie de ce dimanche matin là-dessus, il va falloir que j'improvise quelque chose. Oh mince, je suis déception. Bon, bah oui, quitter la partie, bah oui, j'ai quitté le jeu, c'est un échec complet. Alors, retour au menu principal, blablabla, bla bla, quitter le bazar. Donc, ce test est un échec, au moins ça le met d'être clair. Je reviens en. Voilà, en. Vous avez ma tronche en gros plan. Le temps que j'improvise un. Autre chose. Oh mince! Quelle déception! Donc hop, là je ferme, je vais du coup quitter l'application. Voilà, je quick. Moi je libère de la ressource en mémoire. Quand t'es arrivé, il y avait un jeu à l'écran. Oui, le jeu que t'avais à l'écran, c'est j'étais encore sur Fallout Shelter et j'étais en train de basculer à deuxième siège. Le deuxième siège, j'ai pu le diffuser quand j'ai demandé le plein écran, mais le problème. C'est que comme c'est un jeu ancien aux 4 tiers et que je diffuse en 16/9, époque moderne, je me retrouve. Non, je suis plutôt là. Je me sens trop mal, moi. Oui, il y avait le bandeau noir à la verticale, voilà, sur la droite. Et c'est dommage parce que ça vaut. Voilà, c'est de l'espace pour ce que vous avez sur le côté opposé, pardon. Et sinon, j'y arrive pas avec la symétrie inversée. J'aurais pu mettre le chat, mais c'est pas programmé, quoi. C'est voilà, c'est brouillon. D'où l'importance de la phase de test. Je dois apprendre tous les scénarios, toutes les combinaisons possibles pour que je vous diffuse des trucs potables et que je sois pas justement à passer des longues minutes en direct à panique. Je suis en train de faire ma cuisine et mon assemblage de signal vidéo en direct. Donc là, je suis bec dans l'eau. J'ai fait tous les jeux que j'avais prévus ce matin et bah, y en a qu'un seul qui marche sur les trois. Donc du coup, moi qui pensais me détendre jusqu'à 13h en direct avec vous pour ce qui est du matin, et ben je sais pas quoi faire du coup, j'ai regardé, qu'est-ce qu'on pourrait se faire. J'irai pas non un peu de Garry's Mod, j'aime bien faire Garry's Mod, en mode contemplation. Laissez-moi donc regarder,
Oh là, ah oui, il y a des trucs que j'ai pas rangés dans la liste. Ah oui, oh là là. Ouais. Il y a des choses merveilleuses. Du coup, d'ailleurs, je peux revenir en discussion parce que j'ai dû mettre de jeunes sièges ou rétro. Oui, non, rétro, c'est bien. Je vais laisser la catégorie rétro. Le diffuseur qui change de catégorie toutes les 10 minutes. Twitch va devenir fou. Pop, 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 pop. Surtout que je suis en train de diffuser avec Streamlabs et Streamlabs il est gourmand. Donc je peux pas mettre des entre grosses guillemets des gros jeux. Ah, si je mets Spin Tire, je sais même pas si ça va passer. J'ai peur que ça casse et que j'ai pas assez de ressources système pour vous le diffuser en temps réel. Pardon pour ce grand flottement, mais qui est malheureusement nécessaire. Oh là 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 là, ouais, il y a ça. Il n'est pas impossible que je fasse du Duke Nukem, mais ce sera l'après-midi. Tac, tac, tac. Je sais pas si ça va marcher ça non plus. Ah oui, donc ça, oui, c'est la déception ça. De pas pouvoir faire le deuxième siège en gants. Alors je suis coincé. Je suis vraiment coincé. Est-ce que je pourrais vous présenter Rising World? J'en suis pas sûr. Alors attention, ça peut crasher, hein. J'annonce, mais je fais des tests. J'aimerais savoir si j'arrive à lancer Rising World ou que je vous le présente. Ah oui, tâche ménagère oblige. Oui, bah bon courage, cher cousin. Romanus, Caiotus, j'ai l'impression d'être du temps des Romains, j'adore. Et ouais, bon courage, bon week-end, à bientôt, bisous bisous. Mais qui ça mardi? Ah non, ça crache. Ouais, j'ai pas assez de ressources système. C'était quasiment sûr. Au moins, le jeu qui disparaît de manière propre, j'ai envie de dire. Et qui ne me fait pas un énorme message d'erreur. Là 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 là, terrible delay, moi. Je sais plus si on avait essayé Spill Lucky. Est-ce que je pourrais vous le diffuser? Ça peut être marrant que je fasse une petite partie de. Oh là là, il me flingue les résolutions, c'est une horreur. Alors là, c'est la catastrophe, j'ai même plus mon chat, je vois plus rien. Je crois que la résolution est trop grosse. Oh là là, je crois que j'ai mis en très haute résolution, c'est pas cool. Alors je vais accéder au menu et je vais changer la résolution. Non, paramètres, c'est pas ça, c'est dans le graphisme. Ah ouais, j'ai mis en très haute résolution, ça va pas. Pas plein écran justement. Pas plein écran et waouh. Ah, ça peut être sympa ça. Vas-y voir. Ah, appliquer les paramètres, pardon. Voilà, je nage dans le.
Alors, j'aime pas quand j'ai pas mes écrans de contrôle. Attendez, excusez-moi. Parce que là, du coup, vous voyez certes en gros plan, mais la musique, elle est forte, hein, je trouve. Attendez, oh là 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 là. Panique à bord. Là, si je fais ça, est-ce que j'arrive? Hop là. Ah! Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose, vous avez quelque chose. Ah là, c'est sympa. Ah, là ça me plaît plus. Par contre, pourquoi je peux plus interagir avec le jeu? Et les trucs, c'est trop bizarre. Hallucinant. Là, je ne peux plus faire échappe. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? C'est débile. Ah, attendez. Je vais relancer le jeu. Je l'interromps brutalement parce que là, il y a un truc qui va pas. Est-ce que je peux relancer le... Hop. Mais non. Mais... Oh. Ça, c'est d'un chiant. Attendez, excusez-moi, ça va pas là. C'est en train de m'agacer parce que... Il a pas enregistré le... mes motifs, là. Je suis pas content. Écran, non. On descend dans la résolution qui était bien là, je sais plus c'était quoi. C'était ça, je crois. Voilà. Là, normalement, vous devriez avoir. Voilà, quelque chose de correct. Voilà, je sais pas pourquoi il m'envoyait pas. Alors, j'ai la musique, on va se calmer. C'est pas comme s'il y avait ma musique à moi par-dessus, d'ailleurs, que je vais arrêter. Voilà, je peux la mettre en pause. C'est très bien. Luminosité. Putain, je savais même pas que je pouvais changer de type de demoiselle. Ah, c'est rigolo. Ah, au hasard, ouais, c'est sympa, tiens. Je savais même pas que je pouvais changer ça, c'est rigolo. Oui, je sais même plus comment on y joue, mais bon, bref. Attends, est-ce que je peux faire se barrer la... Ouais, la curseur de la souris. Donc, j'aimerais que ça me rassure. Ouais, on arrive à voir quelque chose de correct. Mmh. Je vais faire un test aussi d'animation, comme s'il y avait un possible abonnement. Oui, là ça marche. Ok, c'est l'occasion rêvée. Oui, elle est pas mal la prise de caractère. Là, c'est la phénix, elle est sympa. Je crois que je vais la garder, elle me plaît bien. Oh là là, je me souviens pas qu'il y avait tout ça. Moi, je suis aventure de base. Oh. Ah oui, il y a plusieurs persos. Oula, oui, il y a de ces personnages. Ah, on voit que j'ai joué un peu, hein, j'ai quelques persos. Il est rigolo, lui. Il me fait marrer. On va prendre celui-là, tiens.
Je sais plus. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est quoi? Ça va être le marchand, je crois. Je sais même plus comment on y joue. Alors que je déclare que je suis sous le spin lucky. Ah oui, la raccourci, oui. Ouh là là. D'accord. Mon dieu, mon dieu. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est... Ok, ça crash. Si ça crash à foison, ça va pas le faire. Hein. Voilà, un test. This is a test donation for $22. Oh mon dieu. Mais n'importe quoi. Vous voyez pourquoi je me méfie de Streamlabs? Je suis navré, mais ça a coupé. Il y a des trucs qui vont pas. Oh là là, ça m'a déclenché des trucs en plus. Faudrait que je revoie ça, c'est étrange. C'est étrange. Bref, j'étais en train de saisir le nom du jeu. Et je pouvais même pas changer de catégorie, ce qui est n'importe quoi. Voilà, là on y croit. Donc si je reviens à ça... Ah non, il veut pas. Mais non! Aïe 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 aïe. Oui! On y croit! Oui! Là, normalement, vous voyez ce que je fais. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer d'y jouer un peu. Je suis mauvais, hein, je vous préviens. Il y a... Aquilio, qui malheureusement diffuse plus depuis un bon bout de temps. Mais qui faisait le 2, il jouait vachement bien à Spill Lucky, Aquilio. Il en faisait pendant des heures et c'était un régal. Je sais plus du tout comment on fait. C'est une catastrophe. Mince. Normalement, je dois pouvoir donner un coup de fouet, je crois, mais je sais plus comment. Ah, avec le R, d'accord. Ça va revenir. Voilà, je peux saisir des objets et les balancer, on est d'accord. Ok. Ah! Ça va être une catastrophe, je le sens. Voilà, là au moins je suis cohérent. Pour une fois. Joli. Ah, classe. Classe, classe, classe. Mince. Ah oui. Là, j'y pense pas aux flèches. Revenir au début. Et dire qu'à la base, ce jeu Spill Lucky était un jeu gratuit. D'ailleurs, je crois que la version entre guillemets dégradée, enfin la première version, est encore disponible en cherchant bien sur internet en gratos. Et là, c'est la version la plus populaire payante, mais où l'auteur a mieux bossé les graphismes et a davantage débugué le jeu. Et depuis, le 2 donc est sorti. Depuis un petit bout de temps. Oh, j'ai viandé quelque chose. Quoi, je sais pas, mais. Le truc apparaît. Alors ça mérite d'être clippé, par exemple.
Voilà. C'est une ânerie qui mériterait d'être immortalisée de ma part. Mince, bien, du coup, je suis tombé mon micro. Oh, bah alors, reviens le micro. J'aime bien, je suis en train de fouetter le lingot en or au lieu de le ramasser. Ah, si je fais des âneries, ça me fait marrer. Ah non, mince! Je pensais que l'objet allait être suffisamment solide pour déclencher la fléchette mortelle là. Voilà, je descends trop. Ah oui, il y a des cordes, je sais plus comment on s'en sert. Mince. Oui, génial, mon ordi qui me dit que j'ai une mise à jour pour ma souris. Ça va être vachement. Non! J'ai loupé l'araignée! Hey, mais c'est un flingue ça! Comment on s'en sert? Oh! Je joue les araignées. Spider-Man, c'est moi! Ah mince. Mais non, mais. En fait, le truc, il me sert à rien. Va-t'en. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Oh oui, jolie, cette vengeance. J'étais nul. J'avoue, j'ai été nul. Aïe, 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 aïe. Ah, ça plante sans cesse, c'est une catastrophe. Je suis désolé, hein, mais... Soupir, soupir, soupir. Ça crache à tout va, ça tient pas la charge. Comme quoi, je peux pas faire confiance à Streamlabs. Voilà, j'ai même l'horloge qui est décalée. Oh mon Dieu! Oui, éditer la scène. Oui, on peut. Oui, c'est bizarre ça, pourquoi elle est décalée, mon horloge? Ah oui, c'est idiot. C'est idiot. Ah oui, c'est ça. Eh oui. Ah voilà qui est mieux. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh là là. Ah non, mais c'est chaotique, hein. C'est chaotique. Donc là, vous voyez, pour le coup, j'ai quitté Streamlabs. Je viens de l'arrêter parce qu'il n'arrête pas de planter. Et je suis avec vous sous OBS classique. OBS classique, je suis confiant. Alors, je perds des fonctionnalités. J'ai plus les alertes en plein écran, machin. Mais au moins, c'est stable. Là, je sais que je vais pouvoir rester avec vous jusqu'à 13h. Les 2 heures qui vont venir, normalement, ça ne devrait pas sauter. Mon signal devrait rester constant. Je peux pas me fier à Streamlabs. Il faudra que je m'en sépare. Il faudra que je trouve une alternative. C'est pénible. C'est pénible. Je suis désolé, hein, mais voilà. Tout l'intérêt de la phase de test. Donc, du coup, j'ai même arrêté Spill Lucky parce que ça m'a énervé. Comme ça provoquait des crashs. Alors, Minute Papillon. Je sais plus où j'en suis, moi.
Oula, bonjour Kewax, pardon. Je suis bleu, je suis l'air, qui suis-je? Le ciel, je présume. Manière originale de s'annoncer sur un direct avec une devinette. Bref, installez-vous confortablement. Je continue mes phases de test, hein, je répète aux arrivants. Normalement, je dois, entre guillemets, officiellement diffuser au 1er janvier prochain. Et comme je découvre Twitch et tout le bazar, je suis en train de tester tout ce que j'ai préparé en coulisses. Et il y a encore plein de choses qui vont pas, la preuve, voilà. J'ai voulu tester Streamlab OBS et ça a été une catastrophe. Donc en revenant sur l'OBS classique, je devrais pouvoir émettre les 2 heures qui suivent sans crash. Du moins, je l'espère. Aïe, 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 quelle aventure! Du coup, déjà, je me retends les jambes. Et vous voyez rien, mais en fait, j'avais croisé mes jambes par rapport à mon fauteuil, et là, je me retends les jambes bien droites, et je finis par avoir des crampes. Qu'est-ce qu'on va se faire, du coup, comme jeu? Je suis paumé dans ma propre interface. Et pourtant, je vous prie croire que c'est organisé et c'est rangé. Et j'y arrive même plus. Alors, est-ce qu'en étant sous l'OBS classique, je peux tester Rising World? Ou est-ce que ça provoque un crash? Ça, c'est intéressant. Ça a l'air de fonctionner. Alors vous n'avez pas encore le signal parce que je ne vous diffuse pas dans l'immédiat, mais je veux voir si en arrière-plan le jeu se lance. Parce que théoriquement, OBS est moins gourmand en ressources que Streamlabs. Ça a l'air de marcher. Alors attendez que je vérifie mes paramètres, moi. Je dis que je veux du plein écran, ok. Ça a l'air d'être valable. J'ai fait une partie il y a... Ça date de début 2021, voilà, c'est dire. Ça fait plus de 6 mois que j'y ai pas touché, donc j'ai complètement oublié ce que je faisais dans le jeu. Autoriser accès machin. Oh là là. Ah, ça a l'air de fonctionner. Alors attendez voir. Si je change de plan. Si je fais ça. Si je fais une capture d'écran. Mais pourquoi mon horloge est-elle décalée? Ça, c'est fou. Ça me bouffe l'horloge qui est flinguée. Elle devrait pas l'être. Voilà. J'ai recasé la comment s'appelle l'horloge. Minecraft, ça devrait pas être ça dans le titre. Alors, attendez, hop, test. Pardon, je mets test bêtement. Vous voyez ma barre des tâches en plus en bas, ça fait brouillon. Ouais, c'est pas top top. C'est pas top top. Là, vous voyez normalement mon titre en cours. Ouais, c'est ça, c'est Troubles. Si je change d'œuvre, vous devriez le voir aussi. Si je mets un gros truc, là ça devrait bouger, ça bouge, ouais. Je teste, je teste, je teste et je teste. Ah, j'avais... Ah oui, c'est ça que vous voyez pas en fait. Ah oui, les barres en bas au niveau du son. J'avais permis au premier plan Voice Matter. Oh là 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 là, cette cuisine de fou. Là, j'ai presque envie de dire, l'idéal pour vous, c'est que je passe en plein écran, comme ça. Voilà. Là, pour vous, normalement, c'est sympa. J'espère que ça rame pas trop. Ça a l'air relativement fluide. Donc, en fait, le jeu en question, c'est Rising World. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû vous écrire en plein texte. D'ailleurs, je vais le faire parce qu'en plus, même ma catégorie à nouveau est pas la bonne.
des touches, je m'en souviens même pas. Oh là 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 là. Attendez voir. Non, pas ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre en gros. C'est où mon titre de jeu. Voilà, que je fasse au moins la promotion du jeu, il est sympa, puis je vais vous en parler un peu. Word, voilà, que je mette bien la bonne orthographe. Rising Word, je sais même pas s'il est dans les rubriques de Twitch. Donc je me déclare sur Rising Word, on verra si ça marche ou pas. Voilà. Là. Ah, j'ai pas remis en plein écran, mince, vous voyez ma tronche. Je vais vous remettre vraiment la pleine capture, puis j'en basculerai un moment sur le... Voilà. Sur l'écran fenêtré. Ça a l'air saccadé, j'ai l'impression. Je regarde mon retour. Ah mince, c'est pas top top là non plus. Hein. Je suis vraiment limité dans mes nombres de jeux, je suis triste tout net. Je crois que j'ai un ordi qui est plus puissant. Ça, c'est le regret d'avoir ma carte graphique qui a grillé il y a quelques mois. Ça me porte vraiment préjudice. Mince. Mince, mince, mince. Bref, pour vous présenter brièvement Rising World, pour vous dire que c'est un peu un jeu à la Minecraft également, mais vous voyez, les textures sont plus haute définition, ça explique pourquoi ça rame. Donc le jeu est en cours de développement. Il est relativement basique, ça rappelle les premières versions de Minecraft aussi. Il y a quelques ennemis, des araignées, les squelettes et puis des pillards de nuit. Vous pouvez assembler pas mal de trucs, voilà, à partir de... D'ailleurs, faut que j'éteigne le feu de ça. J'ai même plus les touches, oh là, j'ai rien configuré, c'est la catastrophe. Comment je fais? Ah voilà, pour interagir avec le four. Et comment je sors de chez moi? Je sais même plus. Le chez moi que je me suis fabriqué, je l'ai oublié. Là, c'est la cheminée. Et voilà, je me suis coincé dans mon antre. Et bref, ça rappelle les premières versions de Minecraft, quoi, mais... Ça s'appelle Rising World. C'est en cours de développement. Là où j'ai pas compris l'équipe de développement, c'est qu'ils étaient bien partis sur leur lancée. Il y a encore 2-3 ans, il y avait régulièrement des mises à jour. Et puis ils se sont dit, on s'est planté. En fait, on a fait un... Ok. Je suis désabusé. Aïe 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 aïe. Oh la catastrophe. Je suis désolé. Bah ça a recraché. Oh ça me tue. Bref, vous avez vu un petit peu de Rising World, et puis voilà, je vais mettre juste chatting. Et bref, pour dire, au niveau de l'équipe de développement, ils avaient, ils étaient déçus, ils se sont dit, on s'est planté de moteur de jeu, on va tout reprogrammer, et depuis, bah, ils ont tellement de boulot à refaire, à complètement reprendre, qu'ils doivent... ils doivent taffer à mort et il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis 2-3 ans sur le jeu. Et bon, c'est dommage. Moi, c'est un jeu qui avait de l'avenir. J'ai encore mon horloge qui a sauté. C'est une catastrophe. Mais pourquoi d'ailleurs ils ne mémorisent pas le coup de l'horloge? Ça, je comprends pas. Bonjour SDR, j'ai vu que tu étais arrivé. J'espère que tu vas bien. Bonjour SDR. C'est le dimanche des catastrophes. Je teste des nouveaux trucs et ça ne marche pas. Donc, tu vois, mon diag va souvent sauter, malheureusement. J'en demande trop à mon ordi, il n'y arrive pas à suivre la cadence. Alors attendez, l'horloge, je vais redéfinir l'horloge. Tac, tac. Est-ce que j'arrive à... Voilà. Là, l'horloge va être mieux cadrée normalement. Voilà. Si je change de plan. L'horloge est encore cassée, c'est dingue ça. Je suis obligé de lui dire que l'horloge est là, tac, tac, tac. Voilà. Pour dire que c'est bon et l'horloge revient normal. Donc. Ah mais c'est fastidieux hein. Aujourd'hui
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est complètement en chantier. Alors, je te dis un peu SDR avec grand plaisir. Oui, le 1er janvier approche, et ben j'ai encore du boulot. Pas qu'un peu. Ouais, ça va bien, c'est cool. Ouais, tu vois, mon cadrage qui saute, les jeux qui font planter la diffusion. Là, je tire à boulet rouge sur Streamlab OBS, que j'avais démarré avec Streamlab OBS ce matin. J'ai réussi à faire une heure avant qu'il y ait une coupure. Mais j'en demandais trop à mon ordi au niveau du jeu, ça, il a cassé le... Comment dire, il a pas tenu la charge. Et je suis revenu à l'OBS classique, là j'aimais depuis l'OBS classique. Et ben ça a quand même crashé, parce que j'ai demandé un jeu trop gourmand. Donc, mince. Ah là 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 là. Bon bah, du coup, on fait quoi? Moi, je suis déçu sur un truc tout bête. C'est que je voulais vous montrer un peu du Perroquet d'Or, là, le Golden Parrot, qui est donc un jeu qui a été fait par un fan qui a complètement reprogrammé Wolfenstein 3D, qui, du coup, le code source est libre depuis des années. Et on a fait un jeu marrant que j'aimerais justement soumettre à FunFan, qu'il le fasse sur sa chaîne. Mais ça fait sauter ma résolution d'écran, vous avez un truc horrible. Et il faut que je fasse du travail en arrière-plan pour faire quelque chose de correct, mais ce sera pas maintenant malheureusement. Ouais, même avec le best classique qui est justement bien pensé, qui est peu gourmand en ressources, bah tu vois, mon ordi il se fait tellement vieux qu'il tient même pas la charge. Bon, là où je me dis que je suis sauvé, c'est que j'ai mon Minecraft, mon sacro-saint Minecraft, que je vais pouvoir diffuser sans cracher. Ça va me tenir en haleine durant des heures. Je pourrais faire du projet Zomboid, d'ailleurs, j'y ai pas pensé. J'avais testé en présence d'Edge et ça marchait bien. Je pourrais vous faire ça aussi un petit peu aujourd'hui. Mais j'aimerais tester quand même d'autres jeux. MDK, je crois qu'on l'avait essayé, non? Ou pas? Attendez voir. Je vais couper ma Zik et on va tester MDK. Je sais plus si je l'ai fait. Le lance. Ça aussi, c'est un vieux jeu, ça devrait pas poser de soucis. Oui, charge rapide en plus. Ça fait plaisir à voir. Je vais vous envoyer le signal, attendez. Je passe l'intro. Bon, j'avais complètement oublié l'intro d'ailleurs. Oui, il y a déjà matière à faire sous Minecraft. Ah, ce serait marrant que tu bascules tout de suite en plein écran, attendez voir. Minute papillon. Hop, je zappe tout ça. Si je vous fais ça, clac. Ah mais non! Ah non, mais il est où mon MDK, il me l'a fait sauter? Ah, faut que je le relance. Oh. Alors c'est ça et ça marche plus, je comprends plus. Ah mince alors. Attendez, minute papillon, y croit. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, mon ordi qui me fait des âneries, excusez-moi. Oh là 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 là. J'ai demandé à réduire une fenêtre, il me fait l'inverse, il me l'a agrossi. Panique à bord. Ah non, mais ce matin, il y a... Mais c'est intéressant, hein. Au niveau de la phase de test, je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Et là, manque de bol, c'est un dimanche matin où c'est la catastrophe. J'en demande trop et l'ordi suit pas. Oui, minute papillon. Oui, oh, je le dirai régulièrement. Alors là, j'arrive à voir le chat sur mon écran secondaire, je vois ce que vous me dites. Par contre, j'ai plus mon retour vidéo. SDR, est-ce que tu peux me dire que tu vois en plein écran le jeu, s'il te plaît? Est-ce que tu vois le pie, là, le MDK, est-ce que tu vois le menu en plein écran? Parce que j'ai pas de retour, moi, du coup. Donc ça fait sauter ma résolution d'écran. Oui? Ah, vous voyez, ok, merci SDR. Bon bah, je vais y jouer un peu, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait.
Et en même temps, je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous faire comme jeu. Alors cet après-midi, je diffuserai un petit peu cet après-midi, en deuxième partie d'après-midi. Je ferai sûrement du... Ah, je la contrôle pas la souris, je la contrôle à la... Mince, clavier. Mais quel niveau je fais? Je vous ferai sûrement la suite de Duke Nukem 3D cet après-midi. C'était tellement bien qu'on avait fait ça il y a 15 jours, 3 semaines. Bouger à mort, éviter le laser vert et éviter les missiles. Ah bon, bref. C'est une intro très bizarre. Super forme. Oh là là, comme plein de jeux. Comment je fais pour sauter? Ah, ça c'est pour viser. Ah, le saut c'est ça. Ok. Je suis en train de retrouver les touches. Oups. Ça va piquer un peu les yeux, je crois, au niveau de la résolution. On voit que c'est très pixelisé. Alors c'est un jeu, j'ai pas beaucoup joué, donc j'ai jamais atteint la fin. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 heures de jeu dessus. Comment je fais pour balancer le truc, moi? Ah oui, c'est entré. Voilà, donc j'ai déverrouillé la porte, je peux poursuivre mes aventures. Eh bien. Ah oui, salle d'entraînement. Alors c'est là où je vais devoir... Comment je fais pour zoomer? Bonne question. Faut que je trouve la touche pour zoomer. Ah, c'est la lettre. Pour dézoomer, je fais comment? Ah d'accord, W, ok. Et pour tirer normalement, voilà. Ah oui, je commence à prendre mes aises. Donc là, c'est la phase tutoriel où on apprend à être snipe. Voilà, je fais des bêtises. Bien fait pour ma touche. Hop là, l'autre il arrive avec sa cible. Mince! Je tire au moment où il présente toute la cible. Voilà, là il y a plein de marioles, il bouge, bah oui. C'est plus difficile. Ah oui, il en fait tout sauter. Ah oui, et là je progresse comme ça. Hop, entrée pour balancer la grenade, je pète la vitre et je peux poursuivre ma progression. Ah oui, il faut que je balance le... Alors là c'est le jeu du basket. Alors, je crois que ouais, voilà, faut que je remonte, que je reprenne de l'élan et que j'utilise effectivement le parachute pour flotter. Enfin, planer, on va dire. Terme plus juste. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai le mortier. Le jeu est logique hein, pour l'époque, c'est bien. Et voilà. En plus, on a la caméra, c'est vachement bien. Voilà. Là, j'ai plus qu'à les cueillir. Alors, avant de. Ça, je sais plus ce que c'est, mais ouais, faut le péter. Ah, je crois que c'est les générateurs de monstres. C'est par là que les vilains arrivent. Sans perdre une vie. Le challenge de fou. Au niveau du jeu. Je sais même pas. Ah oui, la poupée gonflable, c'est pour faire diversion. Aïe aïe aïe, cette moquerie. Alors, je zoome, je tire. Voilà. Ce qui fait que maintenant,
Tu peux sauter sur les plateformes. Ah. Voilà. Et B. Alors honnêtement, je suis content. Pour un début, je trouve que mon rythme est bon. Je pourrais être un peu plus bateau. Ah, on commence à arriver aux grandes arènes. Oula, oui, il y a un char d'assaut qui va m'être présenté. Alors, de l'intérêt de mettre la poupée gonflable. Je crois pas qu'il y ait une touche de sprint. Alors, je vais d'abord me débarrasser des chats. Du chat. Non, attendez. D'accord, ok, je suis dans le. Là où il y a des murs. Oh là là, le bazar. Char d'assaut. Waouh, mais c'est quoi ce délire? Ça part dans tous les sens. Oh là là, il y en a du monde. Alors faut bouger, histoire de pas rester une cible facile. Ça des fois, il y a tout là. Maintenant j'ai mes poules sur la chaîne principale SDR. J'ai arrêté de faire la diffusion depuis la chaîne secondaire parce que il y a des fonctionnalités qui ne peuvent que se mettre en marche si je suis sur mon canal principal. Ouais ouais. J'ai cessé d'émettre depuis la secondaire. Ouais. Je me conserve donc comme vous le savez pour la modération. J'ai gagné des grenades. Je peux cumuler, j'espère. Ouais, le matos, on est d'accord. Je suis pas obligé de faire un choix. Bon, à ma grande surprise, je m'en sors plutôt bien. On va essayer. Là-bas, il y a du matériel. Je vais pas bouder le matériel. Parce que... Oui, le robot, tu peux pas le trouver. Mince. Oh là là, je me suis explosé la tronche. Le robot, je l'ai rebaptisé en fait. Ouais. Il s'appelle Cybermatou maintenant. Il s'appelle Cybermatou LSDN. Enfin, je vous le reverrai à l'occasion. Là, je l'ai désactivé parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui. On est en petit comité. J'ai pas activé ma tablette. À partir de laquelle, justement, je gère la modération. Et voilà, il y en a une. Mais vous le verrez bientôt. T'en fais pas, LSDN. En tout cas, merci à toi d'être présent. Du coup, tu arrives à point nommé, c'est bien. Bon retour au niveau de ce que je diffuse, comme c'est un peu la zizanie là. Et ça me rassure. J'ai une présence rassurante. Merci bien. Oui, bah je m'inspire de ce que fait FunFan avec son FunModo. Comme il l'explique mieux que moi, l'interface Twitch, quand vous êtes diffuseur, vous permet pas de gérer intégralement la modération. D'où l'intérêt d'avoir un compte secondaire et avoir la chance de posséder un autre ordinateur. Ça permet de garder un œil soi-même sur la modération quand on n'a pas forcément une équipe de modérateurs derrière qui est toujours présente. C'est le souci. Bon, je vais peut-être avancer, moi. Non mais il m'envoie encore la cavalcade en aérien là. Mais... Mince. Ah. Ah oui mais je peux pas. Ah si, il faut que j'aille dans le trou que je suis bête. C'est ça la suite, c'est le passage. Mais oui. D'ailleurs derrière il y a un truc ou pas? Non il y a rien. Il pourrait y avoir des trucs de cachés.
ce corridor de fou. Bébé. Attends, il y a du monde derrière moi? Non, c'est devant moi. Oh là là, le corridor interminable. Je me méfie, il n'y a pas du monde derrière moi. On va avoir des poursuivants. Je pense qu'en retour vidéo, vous avez quelque chose de minimaliste. Vous voyez à peine les lumières en haut et en bas de la du couloir. Ça doit vous faire trop bizarre. Ah d'accord, il y a du monde. Il est sur les côtés et sauter. Ah mince, là il y a un truc. Là il n'y a plus rien, je vais faire le côté opposé, je pense qu'il y a une symétrie. Ah si, je peux courir, mince. Je viens de m'apercevoir qu'il y a une touche pour sprinter. Alors ça c'est les générateurs de monstres, il faut que je fasse sauter au plus vite les espèces de grosses cocottes là. D'ailleurs faut pas que je me tienne trop près parce que quand elles explosent elles font des dégâts. Oui pardon, je vais te dire SDR, Jean, tu as pris le temps de m'écrire quelque chose. Je m'assure d'avoir pacifié la zone. Oui je peux te lire. Alors, quand j'aurai plus de temps libre, horreur quand j'aurai besoin d'un modo pour dépanner. Qu'attends, il n'y a pas de souci. Ah merci SDR, oui tu pourrais venir en appui. Oui bah si le besoin se fait ressentir et que je suis victime au succès, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il faut gérer des cas délicats. Oui avec plaisir, t'as toute ma confiance SDR. C'est pas évident, les horaires qui changent régulièrement. Oui, oh tu. De toute façon, moi je suis moins strict, j'en ai déjà discuté avec lui. Je crois que c'est un char d'assaut ça. Je suis moins strict que Fenfan. Vous êtes là, tant mieux, vous êtes pas là, tant pis, moi je manque pas à ce que vous faites là à 10h fixe. Vous pouvez être de passage, voilà, vous venez. Mais c'est horrible, je viens de me faire. Ah, chez Bang Bang là, ils sont en train de me cerner les salopes. Faut que je me mette hors de portée du. Hors de portée du char d'assaut là, parce que ça va pas. Et vous êtes de passage, tant mieux, vous avez votre rôle avec moi de. De VIP pour l'animation ou de modérateur, tant mieux, sinon tant pis. Hein. Je pars du principe que je fais une configuration pour être autonome. Je doute vivement un jour arriver à 100 spectateurs fidèles. De toute façon, c'est pas le but. Moi, je suis là, je m'éclate comme un gamin pendant mon habitude. C'est juste que la technologie me permet d'interagir avec vous et de partager en temps réel. Mais je demande pas à atteindre des scores de fou furieux en audience, c'est pas cool. Mais... Donc relax quoi, on est là vraiment pas battu. Avec moi il y aura zéro plus de tête. Il y a les animations de blessures quand ils sont mutilés, c'est bien fait. Mince! Ah j'ai des ennemis derrière qui sont générés le char. Et ça me. Ça rend nerveux. Attends, si je balance une grenade, je devrais faire un gros gros char d'assaut. Non ? Ah oui, ça y est. J'ai eu le char d'assaut, donc je devrais mieux m'en tirer et pouvoir progresser. Oh là, oh là. Eh, hey, le rythme est soutenu. Ça défouraille et tout va à nouveau. Alors, ce qui est sympa de blesser des ennemis, là où c'est logique, c'est qu'il y a une animation. Et en fait, ça les tient en respect. Alors, c'était quoi la touche pour courir? C'était ça, je crois, non? Attendez. Oh là là, il y a pas de... Non, j'avais trouvé la touche et je l'ai perdu. J'avais le moyen de sprinter. Punaise, oh là là, là là, ce rythme de fou. C'est Shift. Aïe. Ah, yeah. Vous retenez que c'est la touche Shift pour courir comme un fou furieux. Bah la tête chercheuse. Ah oui c'est pratique ça. Là. Oh je le dis. Elle s'est rattrapée au bord comme le frère Lara Croft.
bien faire l'animation. C'est pas possible, où ils viennent? Ils sont apparus avec la magie du démon. Alors, oui, je précise, d'être mono et pas toujours être là. Non, oui, avec moi, faut pas stresser là-dessus. Oh là là. Oh, bah cool, je me fais allumer. On n'a même pas le droit à une pause. C'est-à-dire qu'il y a un générateur de monstres dans le coin, c'est pas possible. Il y a un générateur de monstres qui va échapper. Il y a quelque chose quelque part. Voilà, ça doit faire vachement noir pour vous au niveau de la... l'animation. Et d'où est-ce qu'ils apparaissent? Je peux même pas faire la pause. Il est où? Ah, je veux dire, je vois le tir, mais je vois pas l'ennemi. Ah, c'est fou, bah, c'est bien fait. Et d'accord, là, j'ai nettoyé la zone. Oui, il n'y a plus rien ici. Bizarre. Donc, faut peut-être que j'avance. La 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 la. Oh mince, je perds tout le décor. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? La surprise est totale. Alors, disons qu'il y a des passages où il faut vraiment se concentrer pour voir sinon ça va. Ouais, bah. Alors là, c'est très aérien. À mon avis, tu peux être sûr que je vais me faire saucer depuis le ciel. À un moment ou un autre. Il y a des kamikazes, ils vont foncer dessus, ils vont exploser. Là, faut que j'entre dans un bâtiment, là, je vais me faire allumer. Oh, c'est fermé! La catastrophe! Ah, ça va, j'arrive à me défendre. C'est la guerre! C'était pas ma guerre, colonel, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, j'allais dire, j'ai un peu de culpabilité là en direct sur Twitch parce que je crois que je suis resté en just chatting et j'ai pas déclaré MDK, ce qui est pas bien. Je peux tenter de faire pause et de déclarer MDK comme jeu du moment. Je peux faire. Attendez, on va tester. Ouais, je peux faire ça. Minute papillon, on teste. Hop! Je rebascule du plein écran, je reviens là. Tac, tac, tac. Donc là, du coup, momentanément, je peux vous remettre, moi, ma tronche en attendant. La petite pause. D'ailleurs, ça va me permettre de boire un coup. Et là, je vais déclarer que je joue à MDK. Premier du nom. Voilà, cette game MDK. Donc là, c'est cool. Voilà, normalement vous me voyez en plein écran en train de siroter mon café au lait. Alors je regarde un peu le retour. Oui, c'est ça. Je me vois en retour sur internet. Ouais, c'est cool. C'est bien. Ah, on voit que j'ai un habillage assez cochon. On voit qu'il y a des pixels qui se barrent à droite à gauche. C'est pas très très propre, mais. C'est toujours mieux que rien, je suis content, mais il faudra que je peaufine mes cadrages. Mais c'est cool, c'est bien. J'avoue que honteusement, ça me permet de souffler un peu, parce que le rythme est soutenu. Hein, Dieu. Ouais, vous voyez bien, bah, c'est ma scène où je vous parle en plein écran. Au niveau de la tronche, vous me voyez en intégralité, là, pour le coup. Alors, on va revenir au jeu. On va revenir au jeu. Tac. Et... Non ! Ne me dis pas que le jeu a planté. Mais non ! Mais non ! Mais pourquoi ? Mais c'est bizarre, parce que vous voyez mon retour vidéo, j'ai un cadre qui fait flouter.
Donc c'est peut-être l'engin de capture, en fait, le cadre de capture d'OBS. Mais non, mais j'ai fait crasher le jeu. Ah bon, bah c'est bon à savoir. J'ai pas le droit sur certains jeux plein écran, j'ai pas le droit de basculer et ça fait sauter tout le truc. Du coup, j'ai rien sauvegardé. Et puis j'annonce Minecraft, j'ai tout faux. C'est n'importe quoi. Nous allons changer de jeu. Je suis désolé, c'est un massacre. Oh là 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 là, n'importe quoi. Eh si, mais on leur fera MDK, promis. À un moment, sans déconner, je me ferai un jour complet, un week-end. Il faut t'en rire, tu as raison, merci. Faut être philosophe dans ces moments-là. Le MDK, je pense que je me le ferai peut-être d'une seule traite avec vous, hein, le temps d'un week-end, on verra. Mais de l'année prochaine, quand j'aurai démarré officiellement, il y a plein de jeux comme ça que j'aimerais faire. Pardon. Là où je suis déçu, c'est qu'il faut que je fasse du. J'aimerais bien vous montrer de jeunes sièges. Et comme le cadrage n'est pas propre, bah du coup j'y renonce. Comme ça a été une catastrophe tout à l'heure, là c'était pas beau. J'avais un cadre noir. Donc cet après-midi, promis, cet après-midi, on se fait du Duke Nukem 3D. Je continuerai. Je pense que je reprendrai l'antenne vers 16h30. 16h, 16h30, je verrai. Peut-être même avant 16h avec un peu de chance. On va voir en fonction de ce que j'ai à faire en privé. Rapidement ce dimanche. Ça va être sympa. Plop, 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 plop. Oh, j'ai envie de tester avec vous un jeu d'horreur. Mais testez rapidement, hein. Je vais pas rester plus de 10 minutes. Mais je veux voir si je pourrais vous le faire, peut-être pour un futur Halloween. Oula, il est en train de me peaufiner l'installation alors que je l'ai déjà théoriquement installé, mais c'est mon premier lancement. Ouh, il me parle du Physique Engine, donc ça veut dire un jeu potentiellement gourmand que j'ai pas configuré, donc attention, ça peut sauter. J'espère que je vais continuer à émettre. Oui, le Slenderman, c'est le grand bonhomme qui aime pas qu'on l'observe directement et qui porte la cravate rouge et qui a une silhouette élancée. Il semble mesurer 3, 4, 5, 6 mètres. Le personnage qui fait peur, c'est ce qu'on appelle un creepypasta. Ouais, c'est un classique de l'internet. Un personnage, je crois, qui est né sur le fameux réseau 4chan, là, qui est très décrié. Alors attendez. Il est en train de me proposer, c'est bien, il me propose des résolutions, il me propose d'ailleurs de démarrer en mode fenêtré. Ce qui peut grandement m'arranger. J'ai essayé de faire un 1024-768 en fenêtré, qualité rapide. Ah, ça me plaît bien. Attendez. Ah, t'en as lu beaucoup, ouais, des creepypasta. Oui, pardon, t'as été censuré par l'automode, mais je te lis, hein, t'en fais pas. Oui, t'as lu pas mal de creepypasta. Oui, bah le terme creepypasta, pardon, ça vient de creepy, quelque chose qui fait flipper, et paste, qui est le copier-coller. Waouh, l'intro, elle est. Pardon, vous la voyez pas, mais l'intro, elle est flippante. Attendez, je vais basculer en mode jeu. On va tester. On va tester. Alors, capture de fenêtre, là, pour moi, normalement. Ouais, rafraîchir, ok. Mais non, il me propose Minecraft, il est débile, j'ai pas lancé Minecraft. Il a un résidu d'une ancienne session, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous voyez pas ma fenêtre? Attendez, c'est pas normal. Ah! Ah, si, ça y est, vous la voyez. On est édité la scène. Comme ça. Mais ça a l'air pas mal là. Ah, ça a l'air pas mal. Ouais, on la voit. Merci SDR pour la précision. Slender, je peux le déclarer comme ça, non? Enfin, je déclare que je joue à Slender. On va faire la phase de test. Le Minecraft, il faut que je le vire, ça va pas.
est dans la fenêtre petite, mais c'est pas ça. Vitre de jour. Non, pas du tout. C'est Slender. Slender, mais faut que je précise que c'est phase de test. Hein. Phase de test, point d'exclamation. Et là, ça a l'air de marcher. Ah, juste. Oui, bah, je vais vous mettre en bien visible. Ah oui. Et pour la rediffusion, après, c'est dur. Appuie sur une touche pour démarrer le jeu. Oui. Alors, j'avais pas fini le premier. Ça, il faut savoir que dans la saga d'horreur Slender, c'est le deuxième opus que je vous mets à l'écran. Le premier, j'y avais un peu joué. Donc pardon, c'est pour tester, hein. Je passe l'intro. Ça a l'air vachement fluide. Ah, c'est bien, ça voudrait dire que je pourrais vous le faire. Et ah, je sais pas, j'allais dire, si je vous le fais, je vous le fais en plein écran. Peut-être pas, parce que si je me fais flipper, vous allez rigoler en voyant ma tronche en direct. Je garderai peut-être cette configuration. Ça a l'air vachement fluide, donc c'est bien. Ça, c'est un jeu que je pourrais faire. Bon, au début c'est facile quand c'est la journée. Quand il va faire nuit que le drame va se produire. Je vais tester 5 minutes, pas plus. Hein. Parce que je veux pas me dévoiler l'intrigue. C'est bizarre, il y a le cadre de la caméra. Ah oui d'accord, c'est la présentation du jeu. Comme un générique de film, c'est bien fait. On rigolera pas, promis. Ah, je suis pas. J'ai facilement la frousse, moi. Donc, je risque même littéralement de crier. Généralement, c'est pas dans mon genre, mais si j'ai vraiment les jetons, d'ailleurs, je pourrais. Là, vous voyez, j'ai mon clavier sur les genoux. Et si j'ai un sursaut de frousse, je pourrais faire tomber mon bateau. Donc, il faut que je fasse gaffe et que je me mette dans une disposition particulière pour qu'il n'y ait pas de véritable accident en direct. J'en serais capable. Alors c'est marrant parce que le coup de la... Tiens, on voit le propriétaire en brique rouge. L'ambiance qui commence à me plaire vachement de forêt, j'ai l'impression d'être dans mon simulateur de chasse. Donc de voir le fusil à la main. Le Combera, là, je sais plus, Hunting Mode, je n'ai plus mon jeu. Bonjour AJ, j'espère que tu vas bien AJ. Je fais des petits tests, mon cher AJ, comme tu le sais, je suis en train de ma phase. Alors j'espère que tu vas bien. Pour te tenir au courant, AJ, là, ça fait un peu plus d'une heure que j'aimais. Et j'en suis déjà à 5 crashs de diffusion. J'ai relancé 5 fois la chaîne. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Une catastrophe, mais bon. Le jeu là, apparemment, il tient le coup, c'est cool. Ah, c'est sympa. Je crois qu'il y a le c'est un faux monde ouvert, mais c'est bien géré, je trouve. C'est bien réglé. C'est sympa, on entend les oiseaux qui chantent. Bah, plus que des bugs, c'est littéralement des crashs. Mais les crashs sont provoqués, alors c'est une interprétation. C'est mon ordi qui est vieux, qui est pas très puissant, et quand je lui en demande trop de diffuser, d'enregistrer et de GLG en même temps, bah il est en PLS et quick, fait crasher le logiciel de diffusion. Ah, on voit que ça commence à s'assombrir. Je commence à sombrer dans l'horreur. Je peux ouvrir le... Non, je peux pas... Ah, je peux peut-être pas interagir. Ah, on dirait une porte là, vous avez vu l'enfoncement dans le mur de briques? C'est bizarre comme système de... Non. On va dire que c'est un délire architectural. Et la maison à vendre, vous arrivez à voir? Ah si, apparemment vous arrivez à voir un peu. C'est pas comme si j'avais foutu la luminosité à fond. Bon, on voit l'architecture classique à l'américaine, on va rentrer par le garage, la porte ouverte. Tu vas te préparer à manger, si tu reviens pas, bonne journée, bon courage. Oui, merci SDR, bonne popote à toi, merci d'être passé. Et puis, si je peux interagir à la souris, d'accord. Et bon dimanche à toi SDR.
A plus, merci d'être passé. Waouh, faut que la radio arrête d'hurler. Ah là là, et c'est pas que c'est un classique de l'horreur celui-là. Ah, jeu d'échecs. Ah, je peux prendre la lampe torche. Ah oui, c'est indispensable dans les jeux d'horreur la lampe torche. Il va falloir que je gère les piles, je présume. Et la pile qui est à l'écran, c'est celle du cap, hein, qu'est-ce qu'a... Il se passe des trucs, ça y est, ça démarre. Ça tremble. Ah, il y a quoi à l'écran? Ah, au mur. C'est marrant, j'ai pensé à chez moi, la place Stanislas. La façade pouvait y faire penser. Elle est bizarre, cette horloge. Il y en a qu'on rendre le bout. Bon, bref, il y a en photo. Tout le monde. Ah, on aurait sombré dans la nuit complète. Eh bien, c'est vrai que c'est captivant là. Ça a beau être un test, j'ai presque envie de continuer, mais bon. C'est pas la journée de l'horreur, Halloween s'est passé. D'ailleurs, c'est bête, mais comme objectif, je sais même. À part déambuler, je sais pas quoi faire. C'est peut-être l'intérêt du jeu. Bah, cette porte est apparemment verrouillée, c'est ça qui me dit. Ah ouais, d'accord, ok. Faut que je trouve des clés. À part que les portes sont ouvertes, c'est une maison somme toute classique. Moi je reconnais le style architectural de. Ça y était ça tout à l'heure. Bizarre les gribouillis. Un style architectural. Américain. La villa bourgeoise de. Je commence à flipper en fait. Ça s'obscurcit dans les angles et ça commence vraiment à être sombre. Oui, c'est la belle villa de la belle famille aisée. T'es obligé. Ça se manipule. Ah oui, ça se manipule, tiens, je peux aérer. La belle maison, famille aisée, blablabla. Blablabla. Ah, c'est verrouillé. Bon, bah, c'est bien. Apparemment, je pourrais vous diffuser le jeu là. À l'occasion, on sera peut-être un millier à Halloween hors calendrier, on verra. Je suis pas spécialement chaud pour les jeux d'horreur, mais bon. C'est pas mon registre, mais je boude pas, on va dire. Je sais que ça fait partie des classiques frissons à se faire. J'aime bien les maps comme ça, de vaisselier, de... C'est stylé, c'est hors de prix. Il faut reconnaître que c'est très beau. Mais là, j'ai déjà le sentiment de tourner en rond, qu'il se passe rien. Faut peut-être aussi, je joue mal, je fouille mal, en fait. J'ai pas une logique de cambrioleur. Je pense qu'il faut que je mette la main sur des clés pour accéder aux pièces verrouillées. Apparemment, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de... C'est quoi ça? Ah! Oh! Va falloir traduire de l'anglais. Oh là là. C'est là où tu vas rentrer en action, mon cher Adjay. Je vais te faire bosser, mon pauvre, en traduction. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai mes annonces qui... Ah, le live est en catégorie discussion. Merci pour l'info, Adjay. J'avais demandé à ce qu'il bascule en Slender, mais apparemment, il connaît pas la catégorie, ou alors j'ai mal saisi le nom du jeu, il est pas content. J'aurais dû dire Slender 2. Mais bon. Bref, c'était pour tester, je vais pas aller au-delà, hein, je vais même pas sauvegarder. Mais c'était pour voir si je pouvais le faire. Donc je suis content. Ok. Ah oui, faut que je clique sur... D'accord. Faut que je clique sur Exi Game. Hop là, je reviens en plein écran au niveau de ma tronche. Oui, merci pour essayer de changer de catégorie, NJ, mais t'as pas les droits. Plus tard, je te demanderai le VIP. Je sais pas si tu auras d'ailleurs la possibilité de faire ça. Normalement, c'est réservé à la modération, mais c'est gentil, merci. Mais crois-moi que j'ai essayé de le déclarer avant que t'arrives là, sur mon chat, et bon,
Ça a pas pris en considération, c'est resté en discussion. Écoute, vu le peu que je teste mes jeux, toi, à peine 10 minutes pour voir si ça plante ou pas. Alors, j'ai pensé à toi tout à l'heure, j'ai essayé de lancer notre Dungeon Siege. Et c'est dommage parce que quand je bascule en plein écran, on voit que c'est un jeu 4 tiers. J'ai un bandeau noir à la verticale sur le côté, bah là où je mets ma main, figure-toi, à l'écran, au niveau du signal, en noir. Et c'est dommage, il faudrait que je fasse un travail dans la coulisse, en arrière-plan, pour y réintégrer le chat en direct et l'horloge, au moins au minimum, qu'il n'y ait pas du vide sur l'écran. Mais je reverrai ça plus tard, c'est pas urgent. Pas urgent. Alors, minute papillon. Donc, je suis content. Pour le Slender, on va pouvoir se le faire. Qu'est-ce que je pourrais tester aussi? Oh là là, il est déjà midi quasiment, le temps passe à une vitesse. Hop, 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 Ah, laissé pour mort. Left for dead. Alors attention, j'ai pas testé, ça peut crasher, on va voir. Peut-être que ça en demande trop à mon ordi et si ça casse la diffusion, je relance tout de suite après, hein, vous en faites pas. C'est le risque. J'ai allumé déjà une invite en plein écran. Alors le jeu a l'air de se lancer, mais il m'a parlé du pare-feu. Autoriser l'accès. Normalement, vous m'avez toujours la tronche en plein écran. Je continue à émettre. Donc le jeu, l'ordi a l'air de supporter. Il me dit que j'ai 24 images secondes. Là-bas. La fluidité, c'est limite. Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de cadrage. Alors là, il me fait le chargement du menu principal. Et il me dit que je suis toujours à 24 images secondes. Si j'ai quelque chose de potable, je vous renvoie le signal, évidemment. Il me parle de technologie nuagique alors que je m'en moque. C'est quoi au niveau de la vidéo? Je suis en 640-480. Ah, c'est peut-être un petit peu petit. Je vais peut-être faire en mode fenêtré. En un peu plus gros, en 800-600. Ah, ça pourrait me plaire ça. Comment je fais pour appliquer le truc? Je fais terminer. Ah! Attendez voir. Apparemment, celui-là, je peux vous le mettre en fenêtré. Attendez. Donc là, c'est plus Slender, mais c'est laissé pour mort. Left for dead. Oups là. Capture de fenêtre. Laissé pour mort. Je claque. Mais non, ça, c'est mon retour de contrôle du chat. Alors qu'il me désigne que c'est laissé pour mort. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. Oh là 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 là. Éditer la scène, je vous l'étire pour que vous voyez en gros. Oui, ça fait un peu idiot. Ah, peut-être que je fasse voilà comme ça. Allez voir. J'essaye de faire un cadrage potable. Oui, c'est pas mal comme ça. Ça m'a l'air correct. C'est sympa. Au niveau du chat, je vais déclarer que on joue à laisser pour mort. Je crois que c'est tout attaché, non? Je sais plus. Je sais pas si. Ou alors il faut que je fasse un truc un peu plus propre. Du genre comme ça. Avec les espaces, mais entre guillemets. Je sais pas si ça fonctionne. Au pire, je fais simple, hein, je me casse pas les mirettes et je me déclare en jeu rétro. Ça triche, ça triche. Jouer en solo. Oh là là, je me souviens plus de ce jeu, je l'ai fait il y a. Je l'avais bien aimé, hein. Je vais faire en facile parce que je suis une buse.
Oh, je sais plus où les appartements, personnage aléatoire, et on commence la partie. C'est juste pour tester. Ah bah tiens, il y a mon ancien pseudo, DigiPsycho. Ah, mon premier pseudo. Rock artiste et joueur. Oh, il me dit que j'ai 10 images secondes. Après, il me dit que j'en ai 209. Wouah! J'ai du délire! Allez, ah, c'est pas possible. Rendez-vous à l'hôpital Mercy pour y être évacué! Je répète, rendez-vous à l'hôpital Mercy pour y être évacué! Il me dit que j'ai 144 images secondes. Par contre, le métro peut nous emmener à l'hôpital Mercy. C'est pas bête. Ah, c'est les touches américaines, J'ai le coucou qui vient de nous dire qu'il est midi. Oh là là. Mais ça a l'air d'être fluide, hein. J'ai l'impression que vous voyez bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien qu'on puisse faire du laisser pour mort. D'ailleurs, comme c'est un jeu qui est plus multi que solo, là, je vais faire solo. Je suis peinard de mon côté, mais... je pourrais faire une fin de partie entre copains. Un peu pour veiller. Le son du jeu est hyper fort. Ah merde. Merci de me le dire. Volume du jeu. Voilà, ça doit être mieux, je crois. Volume de la musique, je vais mettre en tout petit. Terminé. Non, je vais revenir au jeu. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Je sais même pas comment on saisit. Non, là, j'ai sauté. Comment je fais pour me saisir d'un objet? Ah! Et non! Et qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je fais usage de... Oh! Je peux être vilain et faire des graffitis. Ah, là j'ai la lampe torche. C'est n'importe quoi. Ah! Donner des coups de poing. Bref. C'est n'importe quoi. Ok, je sais même pas ce que je fais. Là je recharge. Comment je fais pour saisir un objet? C'est pas la barre espace. Oh là là. Ah, je peux écrire des trucs. Ça c'est le clavardage en direct dans le jeu. Ah, je peux donner des ordres. La touche X. Couvrez-moi. J'incarne Louis, ok. Regarde dans les options, oui, bah oui. Alors au niveau des touches, il doit y avoir clavier souris. Le modifier touche, bah, c'est le premier. C'est dans le dernier ordre, activation. Calme, message général, en question, sélectionner. Ça c'est le meilleur. Torche graphique. Ah, utiliser un objet. Ah bah c'est la touche entrée. Tout simplement. La touche entrée que j'ai complètement snobé. Mais non, ça marche pas. Ah. Pourtant il me met le. Ah, je me suis peut-être rechargé en. D'accord. Nul. De l'intérêt de configurer les touches avant de jouer. Oui, c'est ça. C'est bien la touche entrée. Là, j'ai le pistolet mitrailleur. Et d'accord. Là, je prends. Voilà la trousse de secours. Ok. J'ai joué un petit peu, mais ça m'a l'air vachement fluide. Il m'annonce 147 images secondes. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Ah. Oh là. Je me souviens pas qu'il y en avait autant dans le jeu. Ah oui, le jeu est nerveux. Ah, c'est rigolo. Ah, faudrait que je vous le fasse celui-là en direct. Il est bien le jeu là. Ouais, c'est terrible. Oh, la position du zombie. Comment qu'il est en PLS. C'est rigolo. Ah, c'est bien. Ah, faudrait que je vous le fasse celui-là en direct. Faut le garder, laisser pour mort. Ouais, je trouve bien le réalisme avec la lampe torche que je lève. Parce que je suis en train de recharger mon arme.
Oh, c'est génial! Ah oui, il faudra que je vous le fasse. Alerte de Smoker. Ah oui, c'est un gros vilain, le Smoker. C'est un ennemi spécial. Ah voilà, hors antenne, il faudra que je configure bien mes touches, que je me mette à mon aise, et puis que je vous le diffuse en direct et que je fasse la campagne complète. Parce que je ne l'ai pas faite, la campagne complète. Je sais que j'avais fait quelques niveaux, et j'avais gardé un excellent souvenir de jeu. Eh, c'est marrant, on a l'impression que je joue avec des copains, mais en fait c'est l'intelligence artificielle. Voilà, Horde. Ils sont fous. Et j'y vois courir. Ah, ça fait un mélange action-horreur. C'est pas mal. Là, on est un peu dans l'ambiance d'Halloween. Oh là là. Je me souviens plus de ça. Le pire, c'est que je l'ai fait. Je sais que ce premier épisode, le final, j'avais eu un fou rire. Quand j'y avais joué parce que je crois que j'avais abandonné tous mes coéquipiers, je m'étais barré sans eux. Il fallait que je découvre, que je comprenne comment fonctionne le jeu. Je reviens en arrière, je reviens au début. Ah bah c'est bien, oui, je veux bien faire le plein d'armes. Et de munitions. Qu'à faire. Eh ben. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Attends, faut que je dépasse un peu. J'arrive pas à voir où est la suite. Alors, je peux péter la vitre, mais il y a des barreaux, donc je peux pas sauter par. Mince, je sais plus. Voyons logique. Ah bah voilà la suite, c'est par là. C'est un escalier. Il y a un hunter là-bas. Là, le téléviseur avec la. Ah! J'ai éteint la lumière, je suis fou! C'est bizarre, cette piste. Ah, la salle de bain. Ah, c'est un excité. C'est des zombies spéciaux, ça y est, ça commence. Oh, je fous une mail, la PS. Vous êtes en train de louper des trucs vachement importants que je vois. Hop, à la porte. J'ai failli ne pas la voir. Oula. Oui, je joue lui. Bah, ils sont dans ma lignée, les malheureux. Là, je me dégomme en face. Oh là là, je trouve qu'il y a un peu de l'ambiance de, comment s'appelle, du jeu que j'adore l'autre là, pas Project Zomboid, mais surtout en 3D, que je vous ferai aussi quand j'aurai un ordi plus puissant. 7 jours pour mourir, 7 days to die. Je retrouve un peu l'atmosphère aussi. Excellent. Alors je sais pas si c'est parce que tu diffuses en 720p, mais le jeu est plutôt flou et pixelisé. Ah ouais. Ah, tu fais bien de me le dire. Parce que je suis un peu monté, mais normalement vous devez avoir un peu de temps. Ah, je suis sur mon copain. C'est flou, c'est pixelisé, je vois pas trop comment je peux faire pour améliorer la situation. Et tu fais bien de me le dire, hein. Merci AJ. Ah, peut-être que je teste une autre résolution. Oula, il me fait peur. Oh, il y a un escalier. Bah tiens. Peut-être là, je devrais être en sécurité. Non, je vais voir si je bascule sur une autre résolution, si c'est mieux, tu vas me le dire. Autant tester, on est là pour ça. Si j'y... Ah bah non, je peux pas. Je peux pas faire plus. Tu vois ma résolution max, il me propose max du 800-600. Je peux pas faire plus fin. Donc non, je peux pas améliorer le truc. Ou alors, je change le ratio. Ah, mais si je change le ratio, ça va pas... Ah, si j'essaye ça... Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je restais en fenêtré, mais...
Ah, mais là, vous voyez quasiment plus rien, là. Vous voyez quasiment plus rien. Attends voir. Attends voir, attends voir. Ah oui, le ratio est pas le même, donc je vais forcément modifier l'aspect de la fenêtre. Ah, encore que. J'ai envie de te dire que c'est jouable. Mais non. Non, non. Par rapport au fond que j'ai, vous avez un truc tronqué. On voit que le couloir va vers la droite, alors que moi, il est centré. Donc il y a tout un pan d'écran que vous n'avez pas. Si je fais reprendre la partie, oui, vous avez un truc complètement tronqué. Vous voyez même plus mon affichage. Donc c'est que c'est pas bon. Ça va pas. Grosse bonne idée, mon pauvre Jay. Mais t'as bien fait de faire la remarque. Non, je vais rester en 800-600. Je sais pas si je peux lisser ou améliorer la qualité de... Oh, détail des effets LV, rendu cœur, mémoire partagée, machin. Ouais, il y a peut-être le détail de l'image que je peux peut-être faire en moyenne, histoire de rehausser la qualité. Et là, il arrive encore à calculer, mais... On va voir. La partie. Ouais, on voit même que mon affichage en bas est truqué, mais c'est pas dramatique. C'est anecdotique. Là, il y a du grabuge. Voilà, il y a des zombies là aussi. Oh mon dieu, quelle horreur! Wouh! Il m'a foutu les jetons, cet idiot! Eh bien. Si y en a pas un qui va se relever dans l'eau. Voilà. Ah, on est en pleine rue, gare. Je trouve qu'il y a un peu une ambiance à la Resident Evil, c'est rigolo. Bien fait. Ah, vous y voyez quelque chose. Moi j'ai un mal de fou à... peut-être que c'est la raison du stream, je sais pas. Oui, mais la raison du stream, je la changerai pas, mon cher Adjay. Je reste fixe sur du 720p. Parce que ça remettrait, tu sais, en cause beaucoup de d'habillage, de cadrage, de paramétrage. Oh, mais ils sont terribles, ceux-là. Ils sont redoutables, là, ceux qui sont à quatre pattes et qui spawnent pour nous. Des animaux. C'est quoi, ça? Je prends des pilules. Ah, c'est des soins. Un truc qui m'est sur la tronche. Je les arrose, comme on dit dans le jargon. Quand je fais pour sauter, je sais. Ah voilà. Ça, je suis sûr, la voiture de police. Et B. Ah oui, il faut que je me dise que clic droit, c'est la recharge. Ah, ça fait vachement réaliste. Hein. J'aime bien. Hein. Oh là là. Sympa. Et pour nous, on est d'accord, c'est toujours fluide. Il m'annonce que j'ai du 100 images secondes. Ça laisse rêveur, hein, d'avoir un tel taux de fluidité. C'est vraiment dommage qu'il y ait un effet de flou, quoi. Bibi. La station est au bout de la rue. Ah oui, j'ai plus de munitions. Ah mince, je suis revenu au flingue classique. Ouais, c'est cool, c'est fluide, c'est bien, merci, tu me confirmes. Oula, 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 il me sentait partout, là. Ce carnage. Oh, les deux fous, là. J'ai des chaînes dans le violence. Et tu arrives. Je me demandais comment, je me demande si je pouvais pas rentrer dans le local, mais il n'y a aucun intérêt, en fait. On se demande si on peut pas rentrer dans l'appart là. On laisse happer par le paysage. Non, 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 c'est condamné.
coup. Bah oui, j'ai pas d'autre fin. Oh, mais ça, ça. Ah, mais j'ai éteint ma lampe torche. Mais quel idiot! Voilà pourquoi j'y vois plus rien. Oui, ils sont partout, oui, c'est ça. Dans les villes, dans les montagnes, dans tout ce que tu veux. Allez, je me souvenais pas que le jeu était aussi nerveux. Et ça fait son charme! Ah ben, elle m'a fait peur! Il détale à une vitesse. Aïe! Je sais pas si vous avez vu le détail artistique, la humaine qui sort du canon du pistolet. Ah, c'est vachement bien fait. C'est bon. Ah! Heureusement qu'il m'a couvert. Oh là là, mais. Ouh. Oh, bon. Ah oui, la porte s'ouvre. Il y a donc quelque chose à faire. Rien derrière la porte. Ah, quelle horreur! Ah, le truc qui m'a gobé à la langue. Horrible. Ah. Horrible! C'est terrible chez Tim. Oh, ils ont mis la tête dans la porte. N'importe quoi. Mais vous arrivez à y voir quelque chose? Oh, c'est bon, je sais que c'est dans l'ambiance du jeu d'avoir un truc super sombre, mais. Ah si, ça reste diffusable à ce que je vois. Faudrait que je regarde mon. Faudrait que je regarde mon ralenti. Je regarderai tout à l'heure avant de reprendre vers 16h du coup de cet après-midi. Donc cet après-midi, j'ai envie de dire presque pas de texte, mais vraiment une session de temps. Je reviendrai sur le week-end. Je mets mes muses vers 16h. 16h, 16h30, je sais pas plus précisément. Ah, vous m'en rejoignez quand vous le souhaiteriez. Mon cœur vous en dit. Et puis je pense que je vais jusqu'au début de soirée. Oh là 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 là! Toute la mieux! La folie! Ah, oh, la folie est très bien! En petit pistolet, c'est pas le plus évident. Allez, voilà, ouais, génial, tu pars, j'ai plus d'armes automatiques. Mais je tire sur mes coéquipiers, mais c'est bon. Je sais plus où tu. Mais non. Mais non. Oh, le cauchemar. Ah, le couloir. Mais c'est vachement dur. J'ai un mal de chien à aller voir quelque chose. C'est là où j'aurais dû garder la problématique. On a fait des sous-sols ou on vient des sous-sols? Ah non, là c'est le truc. Oui, on est protégé ici. Ok. Tout le monde à l'intérieur! Ah oui! Pistolet mitrailleur, je veux. Ah oui, pistolet mitrailleur, je veux. Bouclez cette foutue porte! Ah oui, c'est la fin de la. Voilà! Woo, baby, c'est super. La fin du niveau, ça. Voilà. Ah bah c'est sympa! Faudrait que je le fasse celui-là en. Je donne les stats pendant qu'il fait le chargement du niveau suivant. C'est quand même vachement bien conçu. Ah oui, chargement de la partie 2, le métro. Ah bah je suis content. On se fera ça une prochaine fois. Ça c'est cool. Voilà, c'était pour tester. Je vais pas rester davantage. On va rebasculer en mode Cosette. Ah c'est cool. Ça fait plaisir. Je vais refaire le just chatting. Ah oui, non, c'est vers zéro que j'aurais dû dire. Normalement.
J'avais programmé ça pour dire oui, je bascule en just chatting. Mais bon. Normalement, là, ça a dû se faire. Pardon, je bois un coup, je me remets de mes émotions. Je reste encore une petite demi-heure avec vous, ce qui est l'occasion de, à l'arrache, de tester d'autres jeux. Donc on avait testé Garry's Mod, ça fonctionnait, là aussi je suis très content. Je ferai sûrement des sessions de Garry's Mod avec joie, ne serait-ce qu'en mode contemplatif. Tout simplement. Ah, le rake. J'ai envie de voir si le rake, qui est la traque d'un petit gris, d'un alien, fonctionne. J'aimerais bien vous faire une session de rake aussi dans le futur sur la chaîne. Ouais, en mode fenêtré, apparemment c'est bon. Faire du 800-600, clac clac clac, en mode fenêtré. Ouais, fait par Unity. Le célèbre moteur Unity. Le son est fort là aussi. Voilà. Le son cloche qui... qui angoisse. Ouais, par contre, il y a un énorme... il y a un énorme bug de résolution. Quand je dis je vais changer de résolution, le jeu, en fait, le menu est monstrueux et j'ai pas accès à tout. On va recommencer. Et apparemment, ce serait un jeu diffusable, en espérant qu'il soit pas super buggé. Je le relance. Ouais. Hein? Oui, c'est dommage ça. Start, je démarre un nouveau jeu. Si je constate de mon côté si c'est fluide, je vous renvoie le signal. Vous allez l'avoir à l'écran. J'essaie de décaler ma lumière latérale parce qu'elle me finit par me donner mal au crâne. J'ai peur de l'avoir un peu plus en arrière. Tant. Ok, il me dit chargement du niveau, mais il n'y a pas de... Attendez, si je vous partage le signal, ça va donner ça. Regarde. Titre de jeu, déjà c'est pas ça, c'est Raft. Rake, pardon, pas Raft. Ah, Raft, j'aimerais bien. Le jeu de naufragé, j'aimerais bien le faire, mais mon ordi est pas assez puissant. Ah, si, le jeu est en train de se charger. Capture de la fenêtre. Rake. Voilà. Sauf que. Je crois que l'écran est pas bon. Ah, si, c'était correct. Ah, moi j'ai un truc à l'écran, pourquoi vous l'avez pas vous? Alors moi j'ai mon signal vidéo dans le jeu, par contre vous apparemment vous l'avez pas. Ce qui est pas du tout normal, c'est bizarre ça. C'est d'autant plus dommage qu'il me dit que j'ai 50 images secondes. Donc pour vous ça devrait être du fluide. Ah, on voit les petits jeux amateurs qui sont programmés, j'ose pas dire à la chiasse, pardon. Mais... ah si, ça y est, vous avez quand même le signal. Voilà, là vous voyez un truc. Là je suis dans ma caravane. Et c'est la première phase du jeu. Je suis censé poser mon dispositif. Et non, je vais pas quitter le jeu. Oh là là, là c'est mal programmé. Voilà. Et je dois déposer caméra dans la forêt. Traquer l'animal. Et de nuit, on verra la phase de nuit. Il y a le petit gris qui peut se manifester. Alors, faut longuement se promener. Faut essayer de mémoriser aussi le chemin dans la forêt parce que tu perds vite. Et il y a des endroits prédisposés au niveau des arbres et du décor où on peut poser des caméras. On va le voir. On va voir un truc fluorescent qui va se mettre à clignoter. C'est un endroit où on peut donc poser une caméra qu'on surveillera depuis la caravane de nuit via le téléviseur. Voilà, là on commence à voir un truc en rouge sur l'arbre, c'est à dire que je peux y déposer une caméra et une webcam. Voilà,
Là, je dis hop, je vais mettre une caméra. Select caméra. Il est marrant, lui. Ah, dans l'inventaire. Ah, attends. Elles sont où mes caméras? Je les vois. Caméra là? Ah oui, la caméra là. Voilà, c'est passé du rouge au vert. Là aussi, c'est flou et pixelisé à ce point. Ah oh, bah je verrai sur le retour de la vidéo, Edge. Mais ce qui est gênant, c'est que je suis, entre guillemets, je suis obligé de me mettre en basse résolution puisque... Ah oh, je peux chasser une bestiole. Je sais pas viser. Mince, faut que je recharge. Je vais me faire défoncer par le marsupio. Et chasser du sanglier. Oui, donc je disais, je suis obligé de mettre en basse résolution puisque mon ordi n'est pas puissant. Donc, c'est là où je suis embarrassé. Alors, choisissez la caméra. Il faut que je reclique sur la caméra dans le, voilà, dans l'inventaire. Clac. Ah, c'est tard. Ah non, je peux pas. J'ai quelques petits points sur ma souris. Je les teste, mais. AM pour la carte, ouais. Parce que je me perds. Là, je suis parti pour me perdre. Je sais qu'il y a une zone montagneuse à un moment donné, qu'il y a une cascade, je me souviens de ça. Il y a même une partie marécage. La partie marécage, elle est vachement difficile à trouver. Là, il y a une planque avec la maison. Enfin, l'abri. Je crois que je peux rien faire ici. C'est quand tu te promènes de nuit et que tu es en trac et en danger. Tu peux te planquer dans la baraque. Ah, il y a des trucs à visiter dans la forêt. Hein. Donc c'est un petit jeu de pacotille, hein. C'est fait par un seul et même individu. Et c'est rigolo, c'est un petit jeu d'horreur aussi. Eh bien. Ah, t'es niveau 18 dans le classement Westwood, oui, mais c'est bien. C'est bien, mon cher Eddie. Ouais, je crois que je vais pas tarder à sortir la carte parce que là, je suis en train de m'enfoncer dans la forêt. Et quand la nuit va arriver, je vais pas être dans la mouise. En fait, je vais me retrouver à poil avec plus de cartouches au fusil parce que de jour j'aurais chassé le sanglier. Mais quand le vrai prédateur qui est l'extraterrestre va se mettre à me traquer moi, je vais me faire déboîter, quelque chose de violent. Ma suite caméra, punaise. Embarras du choix. Ah, on voit que je fais un peu de grimpette. Donc j'arrive dans la zone montagneuse. Et je devrais arriver à un moment à une cascade, je crois. Là, je me demande si on change pas de secteur. On se promène, on se promène. Est-ce que c'est pas les marécages ici? Je sais plus. Ah, et ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu. J'ai peut-être fait il y a 2-3 ans de ça à sa sortie, quand le jeu avait le vent. Comme le jeu est considéré comme terminé, il n'a pas été mis à jour. Et c'est pas mal, hein, c'est un petit jeu sans prétention. Hein. Et j'ai dû le payer une misère en promotion, en plus, un truc du genre 5 euros maximum. Encore, je sais même pas, je crois que j'ai versé 5 euros pour ça. Mais ça a le mérite d'exister, quoi. Ça permet de faire un petit moment frousse pendant 1 heure ou 2, soirée, si. J'aime bien le paysage. Petit moment frisson pour une ambiance d'Halloween. Ah, je crois que sérieusement, le jeu, on peut nous tenir en haleine pendant 4 heures. Mais vraiment en fouillant à fond, en se disant je recherche tous les objets, je fouille tous les endroits et j'essaye de traquer ses buts, de zigouiller l'extraterrestre Petit Gris. Petit Gris de Roswell. Là, j'avais souvenir qu'on pouvait mettre des caméras ici, et apparemment, c'est pas le cas. J'aurais découvert un nouvel endroit que je connaissais pas, peut-être. Peut-être. Bon là je m'enfonce. Oh! Oh! Waouh,
mais il y a eu un carnage là, il y a eu des animaux de sacrifiés, des poulets, des cochons. Ah, c'était l'antre de je sais pas quel animal. On dirait presque une niche pour un chien loup. C'est trop bizarre. Ah oui, tu m'as envoyé une capture d'écran en message privé Discord. Ouais, c'est gentil, merci AJ. Face à toi, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un contrôle qualité. C'est bien, bien joué. Oh là là, il est déjà midi et demi. T'en passes vite. Dans un quart d'heure, je vous abandonne, hein, parce que déjà, j'ai faim. J'ai pas pris de petit-déj, hein. À part mon café au lait, j'ai rien pris de consistant, je me suis même pas croqué un biscuit. J'ai la chance d'avoir ma boîte de spéculoos qui est ouverte à côté de moi. J'en ai pas croqué un seul de la matinée, je me suis complètement accaparé au direct. Et à reprendre ma feuille que j'ai griffonnée ces dernières semaines. Pour dire, faut que je teste ça, faut que je teste ça. J'ai le ventre vide. Et je vais me faire plaisir, là, je vais me faire une pizza à midi. Pizza de luxe. Et on se retrouvera dans l'après-midi, hein. Je reviendrai en deuxième partie vers 16h. Je vais me fixer l'heure de 16h. On va voir peut-être que FunFan aura besoin de moi dans la coulisse. Je sais qu'il m'avait demandé des choses à reprogrammer sur son Wisebot ou Streamlabs, il y avait 2-3 trucs pas satisfaits. D'ailleurs, je vous laisse la surprise, mais j'ai capturé une séquence sonore d'un de ses précédents ralentis. Et avec lui, je vais programmer une commande pour lancer l'événement sonore. Il vous tiendra au courant. Ah voilà, là je peux placer une caméra. Prout, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, cet après-midi, on sera à fond. Du QKM 3D, je continuerai. Vous êtes les bienvenus. Sinon, au pire, si vous pouvez pas être là, vous en faites pas. Je vous remettrai la rediffusion sur YouTube. Et vous pourrez regarder de manière intemporelle. Vous pourrez piocher dans l'épisode et le regarder à. D'ailleurs, ça me fait penser entre midi et deux, quand je vais couper le signal, là. Il faudra que je vire les petites séquences qu'on sautait en direct sur Twitch. Ça vaut pas le coup de les garder. Quand Streamlabs a tenu que 5 minutes et que ça a craché. J'ai supprimé des vidéos et je vous ferai peut-être un montage en un seul bloc pour YouTube. La séquence, que vous n'ayez pas à vous battre à cliquer avec frénésie sur tous les épisodes complètement fragmentés, bien malgré moi. J'aime bien la végétation avec les fougères au sol. Je me souviens plus du tout de la zone. Mais plus du tout. C'est le soleil ou c'est la lune là? Bizarre la manière dont c'est fait. Non, c'est le soleil. C'est trop bizarre. Ah, la cascade, la v'là. Et je crois que dans cette cascade, il y a une grotte. On peut aller derrière, un truc assez classique d'ailleurs dans les jeux vidéo. Il y a une grotte qui est planquée à l'arrière-plan. Voilà. Oh! Mon dieu! Je m'attendais pas à voir l'ennemi. C'est le fameux extraterrestre, le petit gris. Ah, c'était sa planque! En fait, c'est sa planque de jour. C'était complètement scripté, mais il m'a fait flipper cet idiot. Et j'avais gardé souvenir qu'on pouvait aller à l'intérieur de la grotte. Et ça, c'est je sais pas quoi. Ah, c'est un medikit. D'accord. Il y a un peu de matos. Ça, il y a eu un feu de camp à l'intérieur de la grotte. Ça pourrait franchement être l'antre d'un ours. Parce que la grotte, elle est pas petite en plus. Il y a des petits moments de gel, ça freeze. C'est le jeu qui charge les données, qui est un peu en PLS. Là, au niveau de mes indications de performance, il me dit que j'ai 17 images secondes. Ça va être un peu saccadé pour vous. Ça doit être à la limite du regardable, je suis désolé. En train de marcher dans la mare. Oui, on dirait une grotte à la deuxième siège. C'est exactement ça, Edge, t'as raison. Très juste observation de ta part.
Oh, il y a des petits problèmes de texture. Il y a un peu de blanc à droite à gauche. Oh, je me souvenais pas que l'extraterrestre petit gris était planqué de jour dans la grotte. Il m'a fait flipper, cet idiot. Alors que je suis censé le traquer de nuit, en fait. Là, j'avais pas le choix, hein. Je pouvais pas me défendre, c'était scripté. À sauter dessus. Mais de nuit, on est libre de ses faits et gestes et il faut le fusiller, tout simplement. Ah, je crois qu'il y a des pièges à loups à poser. La mémoire me revient peu à peu. Ça veut dire quoi en bas le chrono avec 17? 17 heures, c'est ça? La nuit commence à tomber à 20 heures, un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus. Je suis largué. Attendez, je vais regarder la carte. Enfin, si j'arrive à la déclencher. Ah, je n'ai pas de carte. Sympa le jeu. Il m'a dit appuyer sur la touche M pour ouvrir la carte et en fait, je l'ai pas. Donc j'ai oublié de prendre la carte quand je suis sorti de mon van, moi. Donc je suis dans la mouise, c'est officiel. Je vais pas retrouver mon chemin. Je suis dégoûté. Non, 16. Non, c'est en fait c'est le nombre de minutes qui me reste avant la traque. Il me reste 16 minutes avant que la nuit tombe. Ça doit être ça en fait. Oh, je sais plus où j'étais, moi. J'ai avancé comme un ego en expliquant le principe du jeu. Je suis hors sentier en plus, la totale, le mec qui a tout faux. Tout ce qu'il faut pas faire pour la survie, je suis en train de le faire. Donc je suis parti du van sans prendre tout le matos. N'importe quoi. Alors quand je vous ferai ce jeu-là sérieusement, il faudra vraiment que je fasse de manière posée, réfléchie les gestes à, et actions à réaliser dans l'ordre qui était. Oh là là. Hors jeu, pour parler de la chaîne, il faudra que je refasse des tests. Alors pas ce week-end. Il faudra que je refasse des tests de capture de console. Capture extérieure. Donc la PS2 ça marche. Je me suis toujours pas battu à essayer de capter ma PS3, qui est ma meilleure console. Et c'est dommage parce que la PS3, je pourrais lui diffuser des beaux trucs. Faudra que je prenne le temps de. Comme j'aime le. À procéder à des réglages. L'aire de jeu est quand même grande, hein. Je n'aurais pas dire pour traquer la bestiole, c'est bien pensé. Il y a suffisamment de surface pour tenir en haleine un moment. D'ailleurs, je dois avoir une touche de sprint. Ah, ça y est, je reviens sur le sentier classique. Ah, c'est l'entrée du parc, donc la caravane ne doit pas être loin. La caravane doit être dans le coin. On va pas tarder à la voir, à mon avis. Hein, je sais plus ce que je disais. Ça m'apprendra. Bref, il y a encore. Voilà. J'y arrive. Il y a des tests à faire avant le 1er janvier, encore et encore. Et j'ai toujours pas résolu mon pépin de captation de la PlayStation 3. Il faut absolument que je trouve une solution parce que ça me permettrait de faire. Ah, je savais même pas qu'à la base j'avais un sanglier. Ah oui, le sanglier qui est la caméra mobile. Oh, le truc de fou. Faudrait que je fasse ça aussi. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah, c'est de la bouffe pour attirer les proies. Mais oui, il faut que je dépose de la bouffe et que je mette des pièges. Et ils sont où les pièges à loups? Je sais qu'il y a des pièges à loups, mais je sais plus où. Bah, là, carrément, je peux mettre une caméra alors que j'en ai pas mise. Ah oui, non, mais je suis parti carrément la mallette à vide. Mec qui a tout faux. La base, il doit y avoir une carte que je peux shipper. Je peux shipper des caméras à foison. Non, là, non, pas foison, c'est vide. Ah, il y a des munitions que j'ai loupées. Alors, j'ai mal regardé. Et la carte, elle est où? C'est celle-là, la carte? C'est pas ça? Où est-ce que je trouve la carte? Ne me dis pas que c'est un autre endroit dans le. Ah, c'est peut-être à l'entrée du parc. Il y a le fameux panneau d'information. Ah, commencez à mater, voilà.
C'est comme ça que je peux, vous voyez, sur l'écran de télévision dans le van, la caravane, voilà, je zappe d'une caméra à l'autre. Et c'est comme ça qu'on traque l'ennemi de nuit. Ah, il se passe un truc sur la caméra. Hein. Ah bah c'est un sanglier qui passe. Là c'est le truc normal, c'est le sanglier. Ah, je peux faire des rotations de caméra, je me souvenais pas. Ah oui! Eh, c'est sympa pour l'immersion. Apparemment je peux pas zoomer. C'est sympa. Il y a le bloc-notes, ouais. Pour traquer la... Ah, ça c'est mal fait. Si je fais échappe, il me dit que je veux quitter le jeu. Oh, c'est pas le cas. Oh, c'est mal foutu, ça. Alors, je peux récupérer des caméras. Bon, là, il me dit que c'est vide. Et la carte, je me souviens plus comment on la récupère. Ah, je peux dormir et provoquer la nuit. Ça, c'est bien, la petite icône-là. Je pourrais déjà démarrer la traque. Un ordinateur... Alors, ça fait la carte, l'ordinateur en question, ou pas? Ah oui, c'est l'ordinateur qui me sert de carte, en fait. Pas penser à une carte papier, mais à une carte électronique, de facto. Et je crois que tous les points rouges, c'est là où je peux poser des caméras que j'ai pas posées. On voit les 4 points verts où j'ai disposé mes caméras. Mais on voit que j'ai mal voyagé, hein. J'ai fait un truc. Je pourrais mettre plein d'autres caméras, je l'ai pas fait. Enfin bref, c'était pour se souvenir du jeu. Voilà, là, oui, on va arrêter là, il est quasiment moins le quart. Moi, je vais... J'ai faim. Ben, on va finir sur le... Peut-être sur les crédits. Mais il n'y a pas grand monde, hein. Ils ont été une poignée à développer le jeu. Mais c'est sympa. C'est un jeu, il faudra que j'essaye de faire sérieusement un de ces jours. Hop, je reviens en bavardage complet. Voilà, voilà. Hop, je gère bien ma tronche. Il faudrait que j'anticipe d'ailleurs... Si j'ai peut-être un raid à faire, bien qu'on soit à la pause déjeuner. Ah bah y a Olive qui diffuse. Oh, elle déclare qu'elle est de pas bon poil. Oh, bah faut lui faire un petit coucou à Olive. Et je vais arrêter mon direct de ce matin en faisant un relais de chaîne chez elle. Elle est adorable. Et puis nous on se retrouve. En deuxième partie d'après-midi, donc aux environs de 16h, à partir de 16h, je ne sais pas exactement. Vous êtes les bienvenus, vous prendrez en cours de route, et puis, hier, je vous dis, ce sera archivé sur YouTube. Donc, moi, je vous remercie tous, hein, merci d'être passé SDR, G-Club, les anonymes, etc. Pardon si j'en oublie. Portez-vous bien. Cet après-midi, on sera du Duke Nukem 3D. Ça va être cool, ça va bien me détendre. Là, c'était vraiment la matinée de phase de test. Tu dis quoi? Tu dis c'est dommage que le changement de catégorie bug, car on pourrait indiquer que tu fais ce que tu fais aux nouvelles personnes. Oui, oh, c'est... Enfin, je pense que le système me boude parce que j'ai beaucoup changé de catégorie en peu de temps. Comme je fais des petits tests de 10 minutes, un quart d'heure par jeu pour voir si ça passe ou ça casse en direct, on va dire que le système s'est grippé, je comprends. Mais quand au 1er janvier je serai posé où je ferai vraiment un jeu pendant minimum 2 heures, 3-4 heures par demi-journée, là je pense que ce sera bien huilé, il n'y aura pas de souci de déclaration de catégorie de jeu en direct. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, je suis toujours dans ma phase test, donc je ne me pose pas plus de questions que ça et je ne me fais pas plus de mauvais sang que ça. Voilà, voilà. Donc, merci tout plein d'avoir été là. Prenez soin de vous. Bon app. Je vous souhaite le meilleur. Bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à un autre jour. Peut-être à jamais. Je sais pas. Mais prenez soin de vous. C'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé. Aux anonymes. Je vais programmer mon petit raid chez l'ami Olive qui est adorable. Hop là. Tac, tac, tac. Et puis moi, je vais cesser ma diffusion. Bisous, bisous. Voilà. Merci. Normalement, j'ai entré le raid et ça devrait se faire. Je regarde le direct si ça se fait ou pas. J'ai pas d'annonce comme quoi le raid est en train de se faire. Essaye de faire un raid chez Olive Kid. C'est mon retour de mon interface Twitch. A bientôt, à plus, merci AJ. Encore merci à SDR d'avoir été présent tout à l'heure et m'avoir guidé. J'ai pas l'impression que le raid est en train de se faire. Ah, attends, je ne comprends rien. Ah si, lancez le raid maintenant, si.
Voilà, fallait que j'ouvre l'interface. Allez, bisous tout plein, on va dire bonjour à Olive. A plus. Thank you.